Bonjour à tous, merci de vous réveiller avec nous sur Canal 3 Bénin, votre émission matinale Actu Matin. Les toutes premières infos à la une des journaux, suivies du bulletin de l'information, le mini-journal. Wahab Ali Kwara, Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Vous êtes en plateau, je vous retrouve dans un instant, chers messieurs. Il sera question ce matin du droit de vote et du devoir de vote. Nous verrons avec notre premier invité la relation que l'acte de vote a avec le citoyen. Nous le savons, le vote s'est peu à peu affirmé comme une prérogative des citoyens, mais ces derniers ont-ils véritablement pris conscience de l'exercice de ce droit, nous référant justement sur les taux de participation faibles enregistrés ces dernières années aux élections qui se sont succédées. Nous verrons les pesanteurs avec Dr Aimé Tchefa, il est docteur en sociologie. Ce sera autour de 8h05. Mercredi sur Actu Matin, on parle économie. Nous aurons à évoquer avec Clément Tchadé à parler des opportunités d'affaires que présente la zone économique spéciale de Glodjibé, des précisions sur cet espace d'échange, une zone qui fera du Bénin un hub industriel pour la transformation des produits issus de l'agriculture. Laurent Gambès est le directeur général de l'APIEX Bénin, il est son invité. Au forum de discussion, plusieurs sujets feront l'objet de décryptage, d'analyse et de commentaires. Il s'est produit un fait où il y a eu mort d'homme et c'est à Kétou un affrontement sanglant opposant agriculteurs et éleveurs. L'éternel problème de transhumance qui met à mal la cohabitation entre ces deux acteurs économiques, un homme a été égorgé et ce vif. À Cotonou, c'est un nouveau-né qui s'est séparé de sa génitrice, pas avec sa volonté, l'enfant a été donc volé. La scène s'est produite dans un hôpital au centre de santé de Missessin, c'est à Akwakwa. L'alerte est donnée, ce fait de société nous interpelle, on réagira sur ce matin, merci de votre fidélité. Alerte. Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Allez, la une des journaux sur Actu Matin, Wahab Ali Kwara, nous sommes avec vous. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. L'actualité nationale est essentiellement politique, en lien bien entendu avec la présidentielle du 11 avril prochain, mais les parutions ce matin parlent également économie, fait de société. On va commencer par Fraternité présidentielle du 11 avril 2021. À chaque duo, sa stratégie de conquête du pouvoir, des équipes de campagne à la taille des ambitions des candidats. Covid-19 au Bénin, encore 5 décès, les gestes barrières toujours foulés aux pieds. À l'hôpital du Missessin, à Kwakwa, à Cotonou, une dame vole un bébé à sa nourrice. Nécessité donc de renforcer la sécurité de nos maternités. Cette triste information est à lire à la page 4 du quotidien Fraternité. À la une maintenant de la Nation, contribution à la propreté du cadre de vie, le Grand Nokwe se décharge de ses déchets. Zone économique spéciale. Les bouclages des indemnisations prévues pour fin mars et puis présidentiel apaisé, l'église protestante méthodiste du Bénin s'en préoccupe. Nord-Sud quotidien pour fraude fiscale à Yavon et l'Alaye condamné avec de lourdes amendes. Amélioration du climat des affaires, les mesures douanières nouvelles exposées au secteur privé. L'autre quotidien violente polémique à l'approche de la présidentielle, les vives invectives accroissent la tension et menacent la paix. L'économiste, secteur de l'immobilier au Bénin, l'ANPME engage une meilleure structuration des entreprises. Échanges commerciaux dans le monde, les importations dominent les exportations au Bénin.
Le Soleil Bénin Info, nouvelle procédure contre l'ex-mania de la volaille à la criette, à Diavon condamné à verser 140 milliards de francs CFA à l'État béninois. Quotidien Le Routier, Bénin, deux cadres du parti Les Démocrates déposés à la prison d'appro-misérité. Information relayée ce matin donc par Le Routier. Quotidien L'Informateur, drame à Kétou, un paysan égorgé, la police fait des interpellations. Et puis après leur investiture jeudi dernier, le duo Djemba est à l'assaut des populations. Le meilleur à présent, renouvellement de l'ARCEP, de l'équipe de l'ARCEP Bénin, les nouveaux membres officiellement investis dans leurs fonctions. Le potentiel, climat des affaires au Bénin, des innovations avec les mesures douanières. Les acteurs du secteur privé outillés sur la loi des finances 2021. Et puis pour fausses attestations et escroquerie, Sébastien Adiavon écope de 5 ans, l'Alaye 2 ans de prison ferme. Matin libre, douane, amélioration du climat des affaires, le secteur privé s'imprègne des nouvelles mesures. Vaccin anti-COVID-19, les premières doses bientôt au Bénin. Le Soleil Levant, pour faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie, Sébastien Adiavon condamné à 5 ans de prison avec un nouveau mandat d'arrêt. Mouftar Oulaleye, ex-ambassadeur du Bénin au Nigeria, écope lui de 2 ans. Voici l'intégralité de la décision rendue par la CRIETE, donc à retrouver dans les colonnes de Le Soleil Levant. Le Soleil Levant qui nous apprend également que le Bénin reste dans le top 20 en ce qui concerne donc l'indice de démocratie en Afrique courant 2020. Le matinal, faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie, Adiavon et l'ambassadeur Laleye rattrapés par un crime économique. Présidentiel du 11 avril, le mouvement Les Amis de Patrice Talon valide le plan de campagne. Les quatre vérités pour que règne la paix au Bénin en période préélectorale, la Fondation Malerosu prie dans les 77 villes du Bénin. Il s'agit, nous apprend les quatre vérités, d'une prière simultanée initiée dans les grandes mosquées du Bénin sur instruction du président d'honneur de la Fondation Malerosu El Hadj, Karim Da Silva. Les pharaons, dossier à Diavon, les dessous de la plainte de Mariama Baba Moussa en 2013. Bénin emploi, chômage, repenser les stratégies innovantes pour juguler la crise, selon Josué Azandegbe. Bénin intelligent, formalisation des agences immobilières, la NPME renforce les acteurs. Et puis, rénovation du siège de la Cour constitutionnelle, la haute juridiction retrouve le confort. La relève info, pour finir, Christian Dandidjan, réforme pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin, la partition jouée par la douane béninoise depuis 2016. Les attentes largement comblées, selon le journal. Voilà, Christian, ce que nous apprennent les parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur l'actualité liée à la présidentielle du 11 avril 2021. Voilà, le quotidien Fraternité qui nous donne à lire ce matin beaucoup d'informations. On le parlait d'ailleurs, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure dans les titres de cette édition. Insécurité dans nos centres de santé, eh bien, un bébé a été volé. On parle d'une dame qui s'est fait passer pour la belle-mère de la nourrice et qui a trompé la vigilance du corps médical à l'hôpital de Missessin, c'est à Kwakwa dans la ville de Cotonou. La maman du bébé faisait donc sa toilette quand le vol a eu lieu. La présumée voleuse a mis l'enfant au dos, guettant un mouvement d'inattention des femmes en blouse présentes dans cet hôpital. Et selon les témoignages recueillis sur le mode opératoire et rapporté par Bergedor Adjiou du quotidien Fraternité, eh bien, il s'agirait d'un vol qui a été véritablement
planifié. Une enquête est donc ouverte par la police républicaine qui s'est dépêchée sur les lieux juste après l'alerte qui a été donnée. On parlera également santé avec le Bénin qui continue d'enregistrer des morts suite à la pandémie du coronavirus. On est passé à 75 décès puisqu'il y a eu 5 nouveaux décès enregistrés ces derniers jours. Et on rappelle également que le Bénin recevra dans quelques petites semaines sa dose de vaccin anti-corona. Nous allons en parler tout à l'heure au forum de discussion avec les débatteurs. Rendez-vous ce matin. L'information se poursuit sur Actu Matin avec vous, Clément Achadé. Rebonjour, les titres du mini-journal. Dans les titres, Christian, ce matin, eh bien, la descente sur le terrain de l'action publique effectuée par le maire de la commune du Djougou et des chefs au service. Ils sont allés sur le terrain, sur le chantier de construction du stade Omnisport de Djougou dans l'arrondissement du Cerro. Malik Gomina est allé constater le niveau d'évolution de cette infrastructure sportive. Assure également de matériel mis à la disposition du gouvernement pour riposter contre la COVID-19. Il s'agit cette fois-ci de matériel de laboratoire pouvant diagnostiquer et tester et bien confirmer aussi l'existence de ce mal chez les cas suspects. Le don vient de la coopération allemande au Bénin. Voilà, le développement de ces titres, c'est dans un instant, la pause pub. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. C'est à Djougou que nous ouvrons ce bulletin matinal. Une équipe de la mairie composée du maire Malik Sebou Gomina et des chefs service est allée lundi sur le chantier de construction du stade Omnisport de Djougou situé dans l'arrondissement de Cerro. L'objectif de cette descente de l'autorité communale est d'aller constater le niveau d'évolution de cette infrastructure sportive. Aux côtés de l'équipe communale, le directeur départemental des sports de la Donga et quelques représentants des jeunes de Djougou. Il faut retenir que le chantier a véritablement évolué et c'est ce qu'il nous précise ici Alassane Arounan et Raoufou Yahaya. Abdul Malik Seibou, sur le chantier de construction du stade Omnisport de Djougou, situé dans l'arrondissement de Cerro, accompagné pour la circonstance de quelques membres du conseil communal et des chefs services techniques de la mairie, l'autorité communale est ici pour constater le niveau d'exécution des travaux de construction de cette infrastructure sportive. Une infrastructure sportive de type moderne, dont les travaux sont à l'étape de finition avec une aire de football en gazon synthétique répondant aux normes internationales, une aire de jeu de basketball et de handball, une piste d'athlétisme, une tribune officielle ceinturée par deux tribunes secondaires de 1500 places chacune. Nous sommes à l'étape de la finition. Vous-même, vous venez de constater, les ouvriers sont à pied d'œuvre un peu partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc d'ici la semaine prochaine, on va démarrer les travaux de peinture. Le carrelage aussi est démarré. Donc la plomberie aussi est démarrée à l'intérieur. Donc je crois que d'ici deux semaines, je crois que tout ce qui est de la maçonnerie sera terminé. Faut-il le souligner, la réalisation de ce stade de type moderne fait partie d'un vaste programme gouvernemental de réhabilitation et de construction de stades omnisports dans 22 communes du pays. Au lancement du dit projet, de mauvaises langues l'ont très tôt décrié, mais aujourd'hui sur le terrain, la réalité est tout autre. Ma joie est grande parce que beaucoup de personnes n'ont pas cru. Ils avaient dit que ce serait un éléphant blanc. D'autres ont dit que c'est à titre politique. Aujourd'hui, nous constatons la réalité, nous la touchons.
les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Pour ceux qui n'ont pas cru que le message leur retrouve effectivement, le stade est prêt pour accueillir les joueurs. Et comme la population de Djougou aime le sport, donc vive le sport pour la population. Une population de Djougou très attachée au sport roi, et c'est à juste titre qu'elle témoigne toute sa gratitude au gouvernement et à son chef pour cette somptueuse réalisation au profit de la jeunesse. Aussi plaide-t-elle pour la réalisation d'une voie d'accès à cette infrastructure. Et ce que nous avons vu aujourd'hui nous montre, nous prouve que dans les prochains jours, Djougou, le sport à Djougou connaîtra une avancée remarquable. Il faut d'abord remercier le ministre des Cadres de Vie et pour son implication personnelle dans la gestion du dossier du stade de Djougou. Et il faut dire que nous avons constaté que les travaux ont suffisamment évolué et ça donne l'aspect d'un véritable grand stade que Djougou mérite d'ailleurs. Il faut maintenant penser aux voies de desserte parce qu'il y a des voies qui ceinturent le stade. Non seulement ça, l'accès depuis la route inter-État n'est pas facile. C'est une doléance que nous formulons à l'endroit du ministre des Cadres de Vie pour pouvoir parachever l'œuvre qu'il a entamée. Ayant constaté que les abords immédiats de l'infrastructure étaient occupés par des riverains, le conseil communal présidé par le maire Abdoul Malik Seibou a décidé de procéder à une expropriation du domaine contre un dédommagement des propriétaires, histoire de donner une image attrayante à ce stade. On va parler cette fois-ci de ces appels à la cohésion sociale et à une présidentielle apaisée. Le message est lancé à l'endroit des populations de Dassazoumen et environ. Clément Tchadé. Oui, les organisateurs sont soutenus par l'honorable Jean-Edou Koundé du Bloc républicain. Eh bien, ils entendent ainsi contribuer au maintien de la paix dans le pays, surtout en cette période électorale. Les échanges qui ont pris l'allure d'une séance de sensibilisation se sont déroulés dans la commune de Dassazoumen. Imet Hélène Amoson. Appelez aux urnes le 11 avril prochain, les populations du Bénin et celles de Dassazoumen en particulier doivent réussir, comme en 2020, à passer une période électorale apaisée. Pour rééditer l'espoir de l'année écoulée, la jeunesse de la localité, avec à ses côtés les sages notables têtes couronnées, dignitaires de tous bords et diverses personnalités religieuses, ont appelé à la cohésion sociale et à une élection présidentielle sans violence. La démarche est soutenue par le député Jean-Edou Koundé. Que la jeunesse, qui est le fer de lance de tout développement, tant local que national, dit oui à la cohésion sociale et à une élection présidentielle apaisée. Ne soyez pas complices, ni directement, ni indirectement, de la rébellion contre les lois. Dès lors que les lois sont votées, le judiciaire se met en branle. Eux, ils travaillent sur la base des lois. Est-ce que ce qu'on a mis dans la loi est faux? Est-ce que c'est erroné? Non. La loi, c'est la loi. Union de prière, message pacifique et bien d'autres actions seront menées selon les organisateurs pour que se déroule à Dassazoumen et partout au Bénin une élection présidentielle conviviale. Pour cela, les confessions religieuses à confier le père Fortuné Badou sont déjà à pied d'œuvre. Cet élan de paix doit être maintenu et travaillé selon l'honorable Jean-Edou Koundé. Le député, comme plusieurs autres participants, pense que la violence n'est pas utile. Elle est plutôt à tout point de vue destructrice. Ce qui importe pour nous ici à Dassa, c'est comment nous allons faire pour avoir de l'eau en permanence. Comment nous allons faire pour que les routes soient pavées ou asphaltées. Comment nous allons faire pour que les ouvrages d'art qui sont dans nos villages, que nous avons des ouvrages d'art pour traverser les périodes de crue. Les stades, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous sommes là pour plaider. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait la paix. Nous avons commencé à sensibiliser nos frères et sœurs en communauté pour qu'aucun d'eux ne soit artisan de division, artisan de discorde, semeur de zizanie, mais que tous et toutes soient semeurs de paix. Nous les supplions parce que nous sommes les pères de la nation. Si l'honorable nous a invités ici aujourd'hui, nous avons accepté. Nous savons pourquoi il nous a invités. Et nous sommes prêts à œuvrer pour que la paix règne chez nous et dans tout le Bénin.
Le Bénin est unique. Il constitue un patrimoine commun et cher. De la préservation de la paix dépend son développement tant souhaité. Profitant de l'occasion, la jeunesse de Dassa Zoumé a appelé la couche juvénile des autres contrées du pays à œuvrer pour la paix en cette période électorale. Et puis ici à Cotonou, les gestionnaires de risque des ministères étaient en formation lundi dernier. Un atelier de formation approfondi sur les concepts et la méthodologie d'élaboration de la cartographie de risque et le plan d'audi. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance. Le reportage. Le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance renforce les capacités des auditeurs et propriétaires des risques. Il s'agit d'une formation organisée en collaboration avec l'Inspection générale des finances sur les concepts de la méthodologie de l'élaboration de la cartographie, du plan d'audit et de mitigation des risques. Et pour cette première journée, la formation prend en compte les cadres responsables des ministères de la Justice et ceux du ministère du Plan et du Développement. À cet effet, les organes de contrôle des différents ministères seront renforcés. Donc l'outil de travail de tous ces deux organes, c'est la cartographie des risques, c'est-à-dire un répertoire qui présente les missions et tous les événements qui peuvent empêcher la réalisation de ces missions, de ces activités qui sont assignées à chaque responsable à son niveau de travail et présenter les mesures qui doivent être envisagées pour faire face à ces événements qui sont incertains et qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur l'atteinte des objectifs assignés à chaque responsable. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils s'approprient la méthodologie, qu'ils comprennent les concepts qui sont liés à l'élaboration de la cartographie, à la gestion des risques et pouvoir l'utiliser au quotidien dans tout ce qu'ils font. Grâce aux différentes séances des formateurs et autres experts, les participants auront à s'approprier les concepts et la méthodologie d'élaboration de la cartographie des risques. Une stratégie du gouvernement qui vient en appui aux cadres légaux relatifs à l'investissement public, mais aussi à la bonne gouvernance. C'est une formation qui fait suite à une formation pilote l'année dernière. Et comme vous le savez, et la question de l'audit basé sur les risques fait partie des directives que notre gouvernement, des décisions importantes que notre gouvernement a prises et par rapport à la gestion du budget de cette année. Et comme le dit son nom, nous travaillons pour réduire le coût de mise en œuvre des projets au niveau de notre pays. Nous travaillons pour réduire également les délais de mise en œuvre des projets. Et nous travaillons pour qu'il y ait une meilleure exécution du budget d'investissement au niveau de notre pays. L'un des principaux résultats attendus de cette formation est la maîtrise des outils d'élaboration de la cartographie des risques de chaque ministère pour plus d'impact sur le développement. La carte qui sera établie à l'issue de cette première phase servira à faire un plan basé sur la méthodologie d'audit basée sur les risques. Autre chose maintenant, des membres du système d'alerte précoce SAP sont en formation depuis hier à Cotonou. C'est sur les techniques d'élaboration du bulletin d'information. Eh bien, l'objectif est de renforcer les capacités rédactionnelles et de diffusion des informations disponibles sur la sécurité alimentaire en direction des décideurs et du grand public. Les travaux qui se déroulent à Cotonou et se passent plus précisément à Azalaï, hôtel de Cotonou. Nassi Salossé, Henri Ganti. Autour de cette table soigneusement dressée dans cette salle d'Azalaï, hôtel de la plage à Cotonou, des membres du système d'alerte précoce. Ils sont ici à l'école du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS pour approfondir leurs connaissances en matière de rédaction et de diffusion des informations disponibles sur la sécurité alimentaire. Aucun pays n'est à l'abri d'une crise alimentaire. Les enseignements récents de l'année dernière nous ont montré qu'aucun pays n'est à l'abri. Donc, tous les pays doivent pouvoir mettre en place des systèmes efficaces pour mieux juguler d'éventuelles crises alimentaires. Vous n'êtes pas sans savoir que nous traversions actuellement une crise sans précédent, à savoir la pandémie de la COVID-19. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette pandémie et cet atelier essaie un peu de faire le lien avec
les outils de prévention et comment faire face pour mieux faire face et juguler certaines crises telles que cette crise que nous traversons actuellement. Et pour faire face à cette crise et la juguler, il ne suffit pas seulement de collecter les informations pertinentes, mais il faut savoir bien les analyser et les rédiger dans un langage et un style approprié et tous ces assises. En l'absence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche empêché, c'est son directeur de la programmation et de la prospective qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Ce dernier a surtout insisté sur les enjeux de cet atelier. Vous conviendrez avec moi, chers participants, que la sécurité alimentaire constitue un enjeu majeur aussi bien pour le gouvernement que pour les institutions partenaires du Bénin et que, pour cette raison, il est de notre devoir de soigner la communication autour des sujets et afférents. Mesdames et messieurs, pour ma part, je peux vous rassurer que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche portera une grande attention aux propositions d'amélioration des outils d'information et de communication en matière de sécurité alimentaire que fera la présente session. Il s'agit pour les initiateurs des présentes assises de poursuivre les efforts importants déjà réalisés ces dernières années pour préserver les acquis. 4 jours durant, du 2 au 5 mars prochain, la vingtaine de participants venus des directions techniques du MAEP et des ministères sectoriels vont suivre des communications de 3 experts internationaux dépêchés à Cotonou pour la circonstance. Il sera aussi question de faire le point de l'étape de mise en œuvre du plan d'action 2018-2019 du SAP Bénin. En somme, une tribune de partage d'expériences entre membres du système d'alerte précoce. Et puis, la gestion efficiente de l'information se révèle indispensable au ministère des Affaires sociales de la microfinance. Le ministère favorise ainsi l'accès à l'information sur la protection de l'enfant. C'est ainsi qu'une plateforme web spécialisée a été lancée mardi à Cotonou. La plateforme en question constitue une base de données numériques des archives spécialisées pour la protection de l'enfant au Bénin. Pour la protection de l'enfant, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance lance sa plateforme web. Dévoilée le mardi 2 mars par la ministre Véronique Taïfodé-Mewanou, cette plateforme est l'aboutissement d'un processus conduit par un comité technique de pilotage. Elle permet de rendre accessibles les documents et de mettre l'information à la disposition des usagers. Cette bibliothèque numérique constitue une innovation à plusieurs niveaux. Une innovation technologique parce qu'elle apporte un changement de modèle en permettant la transition du support physique au numérique pour régler plusieurs problèmes de préservation. Une innovation sociale parce qu'elle apporte des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits en offrant un accès libre et continu 24 heures sur 24 au grand public. Elle est une source libre et facile d'accès aux documents sur la protection de l'enfant, même en situation de crise. Aussi, constitue-t-elle un moyen efficace pour sensibiliser la population sur la protection de l'enfant grâce au partage du contenu. Pour la ministre Véronique Taïfodé-Mewanou, les avantages de la plateforme sont nombreux. Elle participe de la mise à disposition du grand public d'une interface web de consultation de la législation et de la documentation produite au Bénin sur la protection de l'enfant. Elle favorise en outre la recherche documentaire et prend en compte les différentes thématiques qui cadrent avec la protection de l'enfant. La réalisation de cette base documentaire numérique spécialisée marque le début d'un vaste projet qui mettra en relief tous les autres domaines du ministère. Et puis, encore de matériel mis à la disposition du gouvernement pour riposter contre la COVID-19, je vous le disais dans les titres. Il s'agit cette fois-ci de matériel de laboratoire pouvant diagnostiquer et détecter et confirmer l'existence de ce mal chez les cas suspects. Eh bien, c'est un don de la coopération allemande au Bénin qui est réceptionné mardi par le ministre de la Santé lui-même, Benjamin Mpati. Teddy Goudalo, à Siangon. Des matériels de laboratoire gracieusement offerts au gouvernement
à travers son ministère de la Santé. Et c'est Benjamin Humpati, l'autorité en charge du secteur, qui reçoit ici à titre symbolique le don de la coopération allemande qui va permettre un diagnostic assez efficace et rapide de la pandémie de COVID-19. Votre appui de ce jour vient à point nommé et va fortement contribuer à la riposte du Bénin contre la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 qui se révèle encore plus virulente et qui nous oblige à renforcer nos moyens d'action dans tous les domaines de la riposte, notamment dans celui du laboratoire. Monsieur l'ambassadeur, cette cérémonie m'offre encore une fois l'occasion de saluer votre engagement tangible aux côtés du ministère de la Santé et surtout du gouvernement du Bénin dans sa croisade contre cette pandémie de la COVID-19. Le besoin est là et se fait sentir donc. Ce don d'intrants de laboratoire comporte essentiellement des kits de diagnostic pour la détection et la confirmation de la COVID-19. En plus de ce geste de la coopération allemande, le Bénin reçoit également une mission d'appui technique qui va renforcer les capacités des acteurs des laboratoires de référence des fièvres hémorragiques de Cotonou et environ. Ils ont promis de rester ici pendant une semaine et de contribuer comme ils ont fait déjà deux fois, si je ne me trompe pas, et de contribuer à aider en premier lieu le laboratoire à agrandir, renforcer ses capacités et surtout cette fois-ci, pas seulement dans un cadre général, mais aussi d'aider à renforcer les capacités de détection des mutations nouvelles du coronavirus. C'est le moment pour le Bénin et l'Allemagne de se féliciter une fois encore de la bonne collaboration qui les lie. Les deux parties s'engagent à maintenir cette flamme d'amitié qui, selon l'ambassadeur, ne s'estompera jamais. Et puis, de Cotonou, allons dans le département des collines, précisément à Glazoué, où la communauté Vaudoutran d'Assanté était en fait semaine écoulée. Les manifestations sont annuelles et constituent pour les organisateurs un creuset de réflexion. Ils méditent aussi à l'occasion sur le devenir de leur congrégation. Les festivités de cette année ont servi de cadre pour présenter le nouveau bureau communal de la CODAT, la confrérie des dignitaires et adeptes du tronc du département. Imet Hélène Amousson. Comme les années antérieures, le culte Tronqueto de Kaalafi a encore été célébré ici à Assanté, dans la commune de Glazoué. Occasion de prières et de rituels divers, le rassemblement, selon les organisateurs, est une célébration en différé de la fête des religions endogènes, commémorée chaque 10 janvier. Moment de réjouissance et de retrouvailles, l'événement a réuni adeptes et dignitaires venus de l'ensemble de la commune. Diverses activités ont meublé les manifestations. Nous avons compris que le 10 janvier qui se fête est consacré à toutes les divinités. Donc on a tendance à ne pas voir les troncs rounons à cette fête. C'est pourquoi nous avons organisé une autre fête. Nous avons choisi un autre jour pour fêter la fête de Vaudoun. Donc cette fête est consacrée pour les rounons, troncs rounons de la commune de Glazoué. À travers invocations, processions, chants et danses, les participants ont magnifié l'esprit tronc. Il a été remercié pour ses multiples bienfaits dans la vie quotidienne de chacun. Avant l'ultime instant de sacrifice, les organisateurs ont saisi l'opportunité pour présenter le bureau communal de la CODAT, la confrérie des dignitaires et adeptes du Tronqueto de Kaalafia. L'équipe est dirigée par Hunongan Kindogbe. Observateur extérieur au monde du culte tronc, l'honorable Agua voit dans les tableaux artistiques et culturels la richesse de nos traditions et valeurs endogènes. Le député a envoyé pour la circonstance une forte délégation pour soutenir les initiateurs. Je me suis retrouvé en pleine activité en Afrique. Ça prouve que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités culturelles. Quand j'ai vu les différents dignitaires, aujourd'hui, je me suis rappelé du 10 janvier. Nous avons profité de cette occasion pour instaurer le bureau CODAT de la commune de Glazoué, dont je suis le président. Cette fête
a été une occasion de retrouvailles et honorable Agua, il nous a soutenus massivement et nous prions pour qu'il soit récompensé au centuple, que les divinités le gratifient et le montrent à plusieurs échelons. Et que ces échéances électorales qui s'approchent se passent dans la gaieté, la fraternité et la paix. À la fin de la journée de réjouissance, l'assistance a prié pour la paix et l'union dans le pays. Pour organisateurs et participants, la quiétude ainsi que la sécurité doivent prévaloir avant, pendant et après les périodes électorales. Eh bien, c'est la fin du bulletin. À tout à l'heure pour le rendez-vous économie de votre matinale. Justement, économie, on va vous retrouver dans la deuxième partie. Clément Atchadé en compagnie de votre invité, Laurent Gambès, directeur général de APIEX Bénin. On évoquera, on parlera donc de la zone économique spéciale de Glodjibé, les opportunités d'affaires ce matin. Merci donc de nous revenir. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Le forum de discussion dans un instant et juste après, on parlera de la citoyenneté et du droit de vote. Comment participer à la vie démocratique avec notre invité, Dr Aimé Tchéfa. Il est sociologue. Un garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain, avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire?
Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, nos discussions ce matin, nous allons aborder quelques sujets tirés donc de l'actualité sur les faits de société. D'abord, nous irons à Kétou, où il y a eu cet affrontement qui a fait des morts. Difficile cohabitation donc entre agriculteurs et éleveurs. Un affrontement à opposer ces deux communautés à Kétou dans la nuit du 1er au 2 mars dernier à Printemps. Bilan, 3 morts, un paysan et 2 éleveurs. Le paysan, lui, a été égorgé. Une mort horrible, des maisons sont incendiées, des scènes de violence qui reposent cette fois-ci le problème de transhumance. À quand donc la fin de la difficile cohabitation pour une cohabitation pacifique entre ces deux communautés, agriculteurs et éleveurs? C'est la question que nous nous posons une fois encore ce matin. Bonjour à vous, Hakim Essédou, Seni, Herman Agnamoussou, Rabali Kwara. Oui, réaction à la suite donc de cette situation dramatique qui est intervenue à Kétou. Kétou qui s'illustre négativement depuis un bon moment, Wakabali Para. Oui, on note, comme vous l'avez dit, que la situation est dramatique. On note qu'il y a de ces comportements qui continuent de se développer à Kétou, comme si on avait affaire à une commune peut-être entièrement à part. On avait noté cette violence au niveau des populations, n'est-ce pas, il y a quelques semaines de cela, liée donc à un contrôle sur la régularité des documents, des documents, des motos, et la situation avait dégénéré, il y a eu affrontements et des blessés. Ça a même fait intervenir le préfet et autres. Et à la suite, on vient parler du problème aujourd'hui, n'est-ce pas, d'affrontement entre éleveurs et agriculteurs, s'il faut parler ainsi, qui est un problème national. Ça, ce n'est pas lié seulement à Kétou. Peut-être ce matin, on parle du cas de Kétou, mais c'est ça l'actualité. Mais c'est un problème national et je note que malgré les efforts faits par les régimes successifs, les autorités du ministère de l'Intérieur et autres, le problème persiste. On ne comprend pas pourquoi il y a cette difficulté en termes de cohabitation entre éleveurs et agriculteurs et qu'on assiste à des blessés graves et surtout des pertes en vie humaine. Moi, je me dis qu'il va falloir repenser, n'est-ce pas, la solution. Entre-temps, il y avait eu le corridor de passage donc des éleveurs, de manière à ce que l'effort des producteurs, des agriculteurs ne soit pas détruit, que leur récolte, leur produit ne soit pas détruit par les animaux qui souvent sont en pâturage, en divagation ou pour traverser et qui donc détruisent les champs des producteurs. Il va falloir qu'on repense cette situation de manière à ce qu'on ne puisse plus assister à ces cas. Parce que c'est à la limite la célébration de la violence, des pertes en vie. Moi, je me dis,
tout citoyen a sa part de contribution apportée à l'édification du pays. Donc, assister à des pertes en vies humaines. C'est vraiment dramatique. Oui, Hakimé Ousseni, on a toutes les fois quand même assisté à la mise en place d'un certain nombre de structures, de comités pour étudier la question et voir les solutions adéquates à apporter au problème. Mais tout s'est-il soldé par un échec si on se réfère un peu à ce qui est arrivé tout récemment? C'est l'impression que nous avons, parce qu'en réalité, vous vous rendez compte que toute la batterie législative mise en place, visiblement, ça ne prospère pas. Parce qu'il est de toute évidence que la question, elle n'est pas que relative à la commune de Kétou. C'est un fait national. Et souvenez-vous que les honorables députés, chacun, selon que sa zone est concernée par les conséquences des affrontements entre agriculteurs et éleveurs, eh bien, ils ont rivalisé, je dirais, de propositions de loi afin de minimiser les affrontements entre ces deux communautés. C'est le cas avec le député Akinatonde, c'est le cas avec le député Robert Bien, au point d'ailleurs où une commission des députés est descendue pour aller échanger. Au-delà même, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a une structure bien à propos qui travaille à la sensibilisation de ces deux communautés afin que la cohabitation soit paisible. Mais malheureusement, retenez que le bétail est pour l'éleveur, ce que la récolte est pour l'agriculteur. Chacun reste jaloux, je dirais, de ces deux éléments-là qui, à l'arrivée, les opposent. Parce que, eh bien, l'agriculteur ne reste pas souvent les bras croisés à voir, je dirais, le bétail de l'éleveur en train de dévaster. Au même moment, l'éleveur, lui, estime que, eh bien, dans la période dans laquelle on se trouve, eh bien, le bétail a besoin de circuler. Donc, du coup, certaines dispositions auraient été mises en place pour permettre la traversée du bétail. Malheureusement, tout semble être sur papier. La cohabitation reste, ma foi, très difficile. Et donc, le cliché de ce que, eh bien, ce sont les autres qui sont les plus violents ou que c'est nous qui sommes toujours en minorité, amène véritablement Christian à constater que toutes les fois, il y a malheureusement des situations malencontreuses, et eh bien ça se solde par des pertes en vies humaines. C'est bien dramatique. Quelle va être la solution qui va catalyser les deux communautés? Je ne suis pas mieux placé pour en parler, mais tu y a-t-il que le dialogue se fait sur le terrain, mais malheureusement, ça ne prospère pas. Herman Anibosu, arriverait-on un jour à bout de ce phénomène? Oui, je pense que trouver des solutions. Oui, je pense qu'il a parlé de batterie législative. C'est vrai que tout de suite, quand j'ai eu le sujet, je me suis intéressé un peu à ce code pastoral qui a été voté, dont nous avons d'ailleurs fait une certaine large vulgarisation en son temps. C'est justement parce que le problème est si profond que le code pastoral a prévu un délai pour que les collectivités locales puissent mettre en place un tel dispositif afin de pouvoir faciliter la cohabitation que vous avez d'ailleurs décrite difficile entre éleveurs et agriculteurs. Je pense que le délai, c'est le code a été voté en avril 2019. On a donné 2 ans aux collectivités locales, territoriales, pardon, pour qu'ils mettent en place les trucs de campement, des éléments, pour que cette cohabitation soit un peu plus à l'aise. Je pense qu'il faut plutôt travailler à ce que ces éléments soient finalement mis en place, parce que tant qu'il y a une loi, pour moi, c'est qu'il y a possibilité qu'on puisse vaincre ce mal-là. C'est qu'il y a possibilité qu'on puisse venir à bout de ce mal. Et quand je fais un peu allusion à ce code foncier, le code foncier également, vous voyez qu'en son temps, quand ça a été voté, on a permis que, dans un délai donné, les gens puissent quand même se mettre en règle avant de commencer par appliquer. Parce que, justement, nous parlons d'une cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Et qui dit éleveur dit transhumant. Donc, c'est des gens qui ne sont pas sur place. Et le code même a prévu la transhumance transfrontalière. De sorte que désormais, quand vous quittez un autre pays pour venir au Bénin ici, il y a un certain nombre de pièces que vous devez avoir sur vous. Et vous devez déposer une certaine caution à l'issue de. Il y a des formalités. Il y a beaucoup de formalités. Donc, il faut y aller petitement. Parce que si je pense que si on prenait le taureau par les cornes directement, c'est encore nous qui allons dire non, le code vient d'être voté, permettons-leur de se retrouver. Et ces éléments qui interviennent, je pense que sont des éléments douloureux, qu'on en vienne à arracher des vies à certaines personnes. Je pense que chacun à son niveau, les députés ont déjà joué leur rôle. Il revient, à mon avis, au chef quartier, au chef village,
aux maires de ces différentes localités de travailler à conscientiser leurs administrés. Justement, au-delà du code, il faut voir quelle loi est la stratégie à mettre en œuvre. Et donc, il n'y a qu'à mettre de la sensibilisation, oui, on en a parlé beaucoup plus. Il faut sensibiliser les éleveurs, il faut sensibiliser les agriculteurs. On le fait tout le temps, mais malheureusement, cette sensibilisation n'arrive pas à mettre un terme à ce phénomène véritablement dramatique. Moi, je crois que, Christian, sans vous couper, qu'au-delà de la sensibilisation, il faut aller également à la vulgarisation de nos tests. Bien de nos tests existent et sont ignorés. C'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé méconnaître la loi, mais lorsque certaines lois sont votées et qui sont placées, elles sont placées dans les tiroirs et autres, ça ne permet pas aux populations sur qui ou avec qui ces lois doivent être appliquées de les connaître et de les maîtriser. Moi, je me dis qu'il va falloir des campagnes de sensibilisation, certes, mais également les campagnes de vulgarisation de nos tests, et notamment dans ce sens-là où on voit des violences qui apportent ou qui conduisent à des pertes en vies humaines que nous regrettons tous aujourd'hui. Malheureusement. Je crois que c'est vrai qu'il y a une batterie législative des lois, bien entendu, ont été élaborées et votées dans ce cadre, mais je crois que à la croisée des chemins, on peut aujourd'hui, sans se tromper, dire que eh bien, ce n'est pas une question de test. Les tests ne régleront plus désormais les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il y a un cliché. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour que le cliché puisse disparaître. Le cliché, c'est que eh bien, des deux communautés, il y a qu'on estime qu'il y a une communauté qui est beaucoup plus violente. Et donc, du coup, lorsque la situation prévaut, on ne cherche plus à trouver la formule. C'est-à-dire que le discours ne passe pas. Donc, ce n'est pas une question de loi. La loi peut exister. Et d'ailleurs, elle existe. Mais pourtant, eh bien, les gens s'affrontent de façon régulière. Donc, je ne sais pas quelle va être la formule qu'il faut trouver. Est-ce qu'il faut continuer par échanger avec les deux communautés pour montrer que, bon, il y a quand même que les deux sont sur le même piédestal? Ça peut peut-être faire changer les mentalités parce que c'est scotché comme ça. C'est un fait sociologique. Et donc, il va être difficile que les lois viennent changer la mentalité et des agriculteurs et des éleveurs. Parce que, comme je vous l'ai dit, de part et d'autre, on a l'impression qu'il y a une communauté qui est minoritaire. Mmh. Et donc, du coup, Est-ce que ce n'est pas parce qu'on attend toujours que surviennent ces cas d'affrontement pour se lever et revoir un peu la stratégie à non, mettre je en place pas. C'est pour ça que je dis qu'au niveau qui est mis en place au niveau du ministère de l'Intérieur, avec le docteur Mamoun Sambo, je crois qu'un travail se fait dans ce sens. Est-ce qu'on n'a toujours pas encore trouvé la formule, le mécanisme pour gérer cette affaire? Sinon, en termes de loi, la loi prévoit peut-être que oui, pour que le bétail puisse traverser, il faut respecter un couloir artificiel qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que bon, voilà. Et les éleveurs, c'est qu'on leur dit que pour passer, au cas où, pour éviter quoi. Vous devez séjourner dans une région, il faut payer ici, il faut payer ça. Donc, est-ce qu'on met le dispositif en place afin qu'il sécurise les animaux? Si une des communautés estime qu'elle a peut-être déjà versé sa part dans, je dirais, le mécanisme de la traversée du bétail. Et donc, il se dit que bon, si ça détruit, eh bien, ce que j'ai donné pourrait dédommager. Et donc, je me rends compte qu'il y a un dialogue de sourds entre la communauté, entre les agriculteurs et les éleveurs. Et ce sont, je dirais, les éléments tampons qu'il faut forcément élaborer pour trouver, je dirais, un début de solution. Sinon, franchement, on a beau sortir des piles de lois, c'est pas évident que ça règle la question. Je pense que sur la question, Hakim a raison de dire qu'il y a un cliché qui est connu de tous, à savoir qu'il y a une communauté qui est plus violente que l'autre. Mais dans un état de droit, malheureusement ou heureusement, c'est les lois qui régissent tout. La loi est déjà votée. Et j'ai rappelé tantôt que la loi a prévu un délai pour que les collectivités territoriales puissent mettre en place un certain nombre de dispositifs. Parce que justement, ce n'était pas prévu. Et donc, moi, je me dis ce qu'il y a de faire. J'ai le sentiment plutôt que le dialogue se fait au plus haut niveau. Il a cité le cas, par exemple, de Souleymane Massambo, je crois que c'est bien lui, qui essaie de mettre en place un comité, qui essaie de parler. Mais est-ce qu'on fait en sorte que ces éléments redescendent au niveau de la base pour appeler les transhumants eux-mêmes, les acteurs qui sont concernés, pour leur dire attention. C'est en cela que je rejoins Araf qui dit qu'il faut vulgariser les tests parce que l'agriculteur de Kétou, ou le peuple qui traverse Kétou n'est peut-être pas au courant du fait qu'il y a une loi qui est votée et qui prévoit même des sanctions, parce qu'il est prévu des infractions et des sanctions dans cette loi-là. Et donc il faut travailler à vulgariser les différents tests, parce que malheureusement on ne peut pas
dans un état de droit, se contenter juste de conscientiser des gens ou de les sensibiliser. Il faut quand même des tests qui soient là et qui soient appliqués quand on tombe sous le coup de ces différentes de ces différentes lois, quoi. Il faut voir, est-ce qu'il y a un répertoire, est-ce qu'on a réussi à recenser par exemple les structures qui s'occupent des éleveurs à la base, pour parler par exemple des agriculteurs également à la base, les recenser, faire un travail de fond avec ces structures à la base, mettre à leur disposition les tests, leur expliquer le mécanisme mis en place dans l'arsenal juridique béninois pour, disons, encadrer la transhumance et aller petit à petit vers la pacification de cette peuple afin qu'on évite de tout le temps assister à ces genres de situations. Ce qui apporte, la question elle est cruciale et elle est préoccupante, c'est que ce n'est même pas que les affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Bénin, c'est un peu partout, sur toute l'étendue, pratiquement sur tout le continent, même dans le monde entier, au Tchad, ça se passe au Cameroun, et au point d'ailleurs où le secrétaire général des Nations Unies a dû s'inviter dans la quête des voies et des solutions pour pouvoir endiguer cette affaire-là. Donc, comprenons qu'il va falloir forcément, c'est vrai, comme je l'ai dit, les lois elles existent, mais j'ai l'impression que les lois ont montré leurs limites. Et donc, du coup, il faut maintenant explorer d'autres pistes de solutions. Justement, les lois n'ont même pas encore été appliquées pour montrer leurs limites. Non, mais si, elles ont parce que justement, d'une loi à une autre, il y a forcément des changements qui sont intervenus. Avant, les lois qui étaient prises n'ont pas prévu, par exemple, des infractions. C'est la plus grande infraction des sanctions. Et je dis, la loi qui a été prise tout récemment, en 2019, en avril 2019, a prévu des dispositifs à mettre en place. Pas des collectivités territoriales. Et c'est en cela que je dis qu'il faut, comme vous l'avez dit, sensibiliser les populations. Et pour ce faire, les maires, les conseillers, les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement, les chefs de village doivent être associés à ces différentes lois. Pour, et justement, et c'est là que ça fait appel forcément à des ressources, parce que le chef de village qui veut sensibiliser va dire, mais si je convoque les gens pour s'asseoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça pose des problèmes. Non, il faut plutôt que le dossier soit pris à un niveau plus élevé, ou qu'on puisse assister à une sensibilisation qui descende jusqu'au niveau de la base, quoi. C'est ce que je Non, mais je dans pense. Un cadre comme dans l'autre, il faut reconnaître que les lois ont montré leurs limites. Pour dire que la prise des lois ou le vote des lois ont montré leurs limites. Leur application peut-être n'a pas encore montré les limites parce qu'on ne les on les prend pour juste régler une situation ponctuelle. Voilà, on ne les sent pas suffisamment appliquées pour dire non, nos lois ont été éprouvées suffisamment et qu'elles ont montré les limites. Que souhaite-t-il qu'on constate qu'on a pris beaucoup de lois, n'est-ce pas, sur cette situation, mais très peu sont appliquées et pour appliquer profondément de manière à ce qu'on puisse noter qu'elles ont été suffisamment éprouvées et montrer leurs limites. La question du cliché de Hakim, et je reviens dessus très rapidement, c'est un problème national et même qui va au-delà de nos frontières. Et retenir que nul n'a le monopole de la violence. C'est vrai, il y a cette communauté qui est étiquetée parce que par nature ou par essence, ce sont c'est une communauté qui se déplace avec des gourdins, avec des armes blanches et autres, toujours pour leur sécurité aussi dans la brousse. Mais quand ce matériel, ces armes blanches ne sont pas utilisées pour peut-être se défendre contre les animaux sauvages qu'on rencontre dans la brousse et c'est contre les humains, moi j'estime que ça pose un véritable problème. Il va falloir, au-delà de nos lois, trouver le mécanisme qu'il faut, n'est-ce pas, pour se rappeler que nous sommes tous des humains, nous sommes appelés à contribuer à l'édification de notre pays et par conséquent, on ne doit pas laisser les animaux, n'est-ce pas, venir poser le problème au niveau des humains. On parlera tout à l'heure de la COVID-19 avec le Bénin qui attend de recevoir les premières doses de vaccin. Mais avant, je vous emmène rapidement aborder ce sujet sur ce vol qui est intervenu hier quelque part dans Cotonou, à la maternité, à l'hôpital de Mississin, c'est à Akwakwa. Une dame qui s'est fait passer pour la belle-mère d'une nourrice et qui a emporté le nouveau-né. Alors, Akibeseru Ouseni, un fait divers, mais sérieux. Très sérieux, je ne sais pas. La nourrice n'a pas séjourné, bon, peut-être c'est 24 heures, soit le travail a commencé très tôt, elle est arrivée à l'hôpital, elle a été délivrée, et puis elle est dans un état de récupération,
eh bien, la soi-disant belle-mère... Elle était même allée faire sa toilette, la nourrice. Ah ben voilà. Ça pose un problème de sécurité, oui. Je dirais, de l'espace, sanitaire. Sanitaire. Je ne sais pas comment ça peut se passer. On va être obligé d'interroger le système, le dispositif sécuritaire mis en place pour voir à quel niveau ça n'a pas bien fonctionné. Ce qui craint, c'est est-ce que cette fameuse belle-mère sera retrouvée. C'est la question qu'il faut se poser. Sinon, franchement, au-delà de ce qui va être fait pour savoir où est-ce que ça a failli au niveau de l'hôpital, c'est la grosse inquiétude, c'est est-ce que la dame va retrouver son enfant. Vol de bébé à quelle fin, Herman Agnambosu? Vraiment, grosse interrogation, parce que justement, vous savez, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques mois, on parlait encore des sacrifices humains qui sont faits. Est-ce que la dame, en désespoir de cause, a dû prendre ce bébé-là pour au moins en avoir un? Est-ce que la dame est dans un trafic d'enfants? Voilà, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. L'inquiétude de Hakim est partagée, parce que est-ce qu'on va réussir à trouver cette dame-là? Si l'enfant a été volé dans le but de, voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut dans ma vie, j'ai pas eu d'enfant, je garde sur moi. Elle ne vit pas dans une maison renfermée, l'entourage le saura. Et donc très vite, on pourra mettre la main sur elle et dire, attention, on ne vous a pas vu avec grossesse ici, dans notre quartier, on vous revoit avec enfant aujourd'hui, ça pose problème. Et donc, elle pourrait s'y aller. Mais si c'est pour les autres éléments dont j'ai parlé tantôt, à savoir les adoptions clandestines, à savoir les sacrifices humains, ça va être très compliqué de retrouver cette âme-là. Dès lors que à l'hôpital même, on ne sait pas qui est-ce qui visite l'hôpital, n'importe qui peut rentrer et en sortir comme il peut. Dispositif sécuritaire, j'ai quelques brins de réserve. Quel dispositif sécuritaire peut-on mettre dans un hôpital pour empêcher une dame de pouvoir sortir avec un bébé? Ça va être très compliqué. Mmh. La dame qui met l'enfant à dos et qui dit, par exemple, je vais prendre juste une couche à côté, l'homme de sécurité ne peut pas savoir qu'elle est en train de faire avec le bébé d'autrui. Il y a beaucoup d'éléments. Je ne sais pas vraiment comment on peut faire. Est-ce qu'il faut ficher ceux qui viennent à l'hôpital? Est-ce qu'il faut mettre des caméras de surveillance? Est-ce qu'il faut beaucoup d'interrogations. Vous vous interrogez aussi sur je me dis que on peut toujours essayer. En ce sens que pour une dame qui vient d'accoucher, nous, fraîchement, n'est-ce pas, elle ne sort pas avec la même énergie, n'est-ce pas, que quelqu'un ou une femme qui n'a pas accouché. Vous voyez, donc ça dit que c'est la belle-mère. Elle a joué le rôle de belle-mère pour pouvoir facilement emporter le bébé, et ça a donc échappé aux agents de sécurité. Moi, je pense que à nos différentes maternités, on peut renforcer la sécurité de manière à ce que quand on vient, on puisse se présenter. Quand c'est le couple qui vient, je crois que ne serait-ce que le monsieur peut présenter sa carte. Aujourd'hui, on a travaillé à ce que nous ayons au moins une pièce pour pouvoir se justifier et décliner notre identité. Je parle de ceux qui, peut-être jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas une carte d'identité. Il y a ne serait-ce que les cartes LEPI pour certains, les cartes professionnelles. Même quand on est conducteur de Zemindian, il y a les associations des conducteurs de Zemindian qui permettent au moins d'avoir une carte et autres. Certes, dans ce lot également, il peut y avoir des falsifications de manière à ce qu'on puisse toujours, tourner la vigilance du gardien ou de l'agent de sécurité et s'échapper. Mais quand on a eu aussi cette possibilité de mettre des caméras de surveillance, je pense que ça pourrait également accompagner. Et donc, regretter la situation qui s'est produite à Missessin, à Kpakpa, où on vient très facilement comme ça, le fruit de quelqu'un, n'est-ce pas, de 9 mois de quelqu'un, on vient et qu'on l'emporte sans difficulté. Maintenant, également préciser que chacun est appelé à jouer sa propre sécurité et à préserver ses propres biens en amont. Le reste, c'est un accompagnement. On dit qu'il n'y a pas d'insécurité zéro et que tout Béninois est appelé à s'occuper lui-même d'abord de sa propre sécurité. Nous sommes les éléments et nos propres gardiens avant que Dieu n'accompagne, avant que les forces de l'ordre et de sécurité n'accompagnent. Ouais. Pour dire que moi, j'ai trouvé un peu bizarre, peut-être que c'est
comment dire, la manière dont l'hôpital de Missessin à Papa est, qui fait que on vient où la situation, voilà, elle est un peu ouverte, et où la situation quelque peu difficile peut-être de la dame, qui fait que elle accouche fraîchement avec cette bonne nouvelle, elle n'a aucun membre de sa famille directe pour l'assister. Une telle personne pouvait être là au moins pour garder le bébé pendant que elle-même elle est en train de se laver. Et moi je sais que la solidarité africaine et autres fait que quand tu accouches, il y en a qui sont bien disposés à te laver toi-même, la maman, bien qu'ils sont là à entourer le bébé. Donc que s'est-il passé pour qu'elle se retrouve seule sans le papa de l'enfant, sans aucun membre, un proche de la famille, et que l'enfant est laissé aller libre, et que encore qu'on nous parle là d'un vol de bébé planifié. Ça veut dire que c'est répété. C'est dire que c'est un acte qui se commet, comment dire, presque régulièrement, et que la dame connaît le fonctionnement, le fonctionnement de l'hôpital. On note également ailleurs, puisque ce n'est pas le premier cas, c'est peut-être l'actualité d'aujourd'hui, on note ailleurs la complicité même des filles de salle par moment. Donc moi je pense qu'un travail doit être fait à ce niveau de manière à ce que la sécurité soit renforcée et que quand une femme vient après cette souffrance à garder un enfant, qu'elle puisse repartir dans la joie avec son bébé. L'autre question qu'il faut se poser, quelle est l'assurance que la nourrice a eue en allant se laver, en allant prendre son bain et à laisser l'enfant? Est-ce qu'à l'intérieur de la salle où elle se trouvait, elle était seule? Est-ce qu'elle était avec rare dans nos hôpitaux? Parce qu'en fait, c'est la question. Il y a tellement de questions qu'il faut se poser. Si c'est rare, est-ce qu'elle a dit aux autres aux occupants de la salle à l'instant T qu'elle allait juste prendre elle allait faire sa toilette et revenir? Si elle a dit, à qui est-ce que l'enfant a été confié pendant ce temps, le temps qu'elle laisse se mettre dans les conditions plus intéressantes? Donc, parce que là, quand on dit quelqu'un s'est passé pour belle-mère, alors qu'à l'accouchement, elle n'était pas là pour qu'on l'identifie comme belle-mère. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, c'est vraiment planifié, quoi. Elle sait quand même m'a donné bien. C'est qu'elle avait accompagné, la personne s'est retirée. Si elle est venue seule, c'est qu'elle va subir toute l'opération d'accouchement seule et consort. Donc, franchement, au-delà, la grosse inquiétude, c'est que j'ai l'impression que il va être difficile qu'on puisse mettre la main sur une personne qui a planifié le vol d'un enfant. La police a formé ses rendus. Si ça peut adopter, comme l'a dit Emma, possibilité qu'elle soit dénoncée et donc qu'on puisse retrouver l'enfant. Si ce n'est pas le cas, l'extrême à laquelle on n'a pas envie de penser, c'est que bon, le sacrifice, cet enfant ne verra plus. On attend le résultat de l'enquête. L'option ici, c'est de mettre dans ces hôpitaux-là des caméras de surveillance. Si caméra il y avait dans cet hôpital, par exemple, c'est vrai que c'est un hôpital qui se retrouve en un lieu un peu bizarre quand il pleut. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais quand il pleut, c'est une zone qui est très inondée. Est-ce que les gestionnaires de cet hôpital-là ont déjà pris sur eux d'installer des caméras de surveillance? Parce que si avec caméra il y avait, ça permettrait ou ça aurait permis de savoir qui sort avec un bébé, de savoir la personne, et donc de pouvoir mettre sa photo un peu partout pour dire attention, telle personne est recherchée. Mais malheureusement, dans la plupart de nos hôpitaux, il n'y a pas encore ça. Il faut que le ministre de la Santé y pense. Voilà, justement, puisque nous parlons santé, parlons cette fois-ci de COVID-19 en quelques petites minutes. On rappelle que le tableau sanitaire du Bénin présente actuellement 6111 cas confirmés. Et à la date du 9 février 2021, le tableau indique 1116 cas actifs pour un total de 5434 cas. Et puis, on est passé à 75 décès dus au coronavirus. On est pressé d'avoir donc les vaccins. L'OMS a mis en place un mécanisme, le COVAX, pour garantir un accès équitable aux vaccins COVID-19. Et suivant la programmation pays, eh bien notre pays, le Bénin, attend dans quelques semaines ses premières doses de vaccins. Quel accueil réservons-nous à ces vaccins? C'est la question que nous nous posons. Vous êtes pressé de l'avoir, Herman Aniamoussou? Vous voulez qu'on dise accueil chaleureux? Non, ce qui est certain, je crois que c'est l'actualité du moment. Il y a quelques 2-3 jours, la Côte d'Ivoire a reçu sa première dose de vaccin livré. On a vu des images sur la toile et sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, chaînes de télévision et tout. Je pense que le Bénin ne peut pas se mettre en marge. Vous avez évoqué le nombre de décès tantôt. Nous sommes passés déjà à 75 décès au total au Bénin. Le Bénin qui a quand même réussi à s'illustrer positivement en faisant en sorte que les mesures barrières soient observées, en faisant en sorte qu'il y ait cette
ce cordon sanitaire et tout. Je pense que le Bénin est en train de venir à bout de ce mal et c'est ce qu'il faut souhaiter quand on est béninois. Akimé. Méfiance, suspicion, adhésion. C'est un peu le en tout cas, ce qui, ce qui caractérise hein, l'ambiance du moment quand on parle du vaccin. Du vaccin, c'est ça. Vous avez quoi ? Bon, si c'est efficace, c'est une très bonne nouvelle. Ça va donc mettre un stop, du moins, à cette maladie. Si ce n'est pas le cas, quels seront les impacts d'une dose de vaccin COVID sur la santé humaine avec tout ce qui a été élaboré autour? Je ne suis pas du domaine. Mon patin, mon cher ami, est mieux placé pour en son temps nous dire quels peuvent être les comportements à adopter, quelles sont les garanties qu'on nous apporte. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est trois états d'âme. Suspicion, méfiance, adhésion. Mmh. On attend, oui. Et On attend. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, quand le pour vaccin vient face à un mal. Mais dans le même temps, ça n'écarte pas les suspicions, n'est-ce pas, que les Béninois ont, que les Africains ont, liées donc à ce vaccin qui est venu. Vous avez cité le cas de la Côte d'Ivoire. On a montré également le président ghanéen, n'est-ce pas, chez qui le vaccin a déjà atterri et qu'il est le numéro 1. Ça peut effacer donc les suspicions. Voilà, si le numéro 1 il est le numéro 1 à l'essayer. Mais attention, nous n'avons pas les mêmes mentalités, nous n'avons pas la même manière. Hein. Nous sommes des peuples différents et nous avons des appréciations différentes face à des événements donnés. Mais quand il y a suspicion, je pense que c'est des suspicions fondées en raison de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et qu'on n'arrive toujours pas à contrôler. Vous savez, avec la naissance des questions de masques pour se protéger et autres, il y a eu des commentaires, des choses que les gens ont fait passer sur les réseaux sociaux pour davantage créer la psychose. Vous voyez? Et donc, quand c'est le cas, vous avez très peu de personnes spécialistes de la question pour vous apporter la preuve du contraire. Quand vous savez également qu'il y a des médecins qui sont à même de proposer de faux médicaments à l'effet peut-être de vous détruire, je fais référence donc au cas libyen sous Muammar Kadhafi où plus de 400 enfants, on a inoculé le virus de sida à plus de 400 enfants libyens dans un hôpital de Benghazi. Et il y avait, je crois, des Belges, des Malgaches et autres dedans. Ça pose un véritable problème. Donc, vous vous dites, est-ce qu'on ne veut pas faire de vous des cobayes pour voir ce que cela va. Donc, et la ça développe une certaine résistance. Ce sont les interprétations. Ce sont des interprétations. Je ne rappelle. Donc pas c'est faire le cas libyen, par exemple, pour davantage créer la psychose, c'est pour dire que les inquiétudes des uns et des autres sont d'une manière ou d'une autre. Et dans l'autre des cas, même s'il y a un vaccin, c'est pas tout le monde qui sera vacciné. Mm-hmm. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont déjà développé des résistances. Jacob Akimi qui a développé des résistances à la maladie. Mais quand même pas que. Oui, c'est vrai que la mentalité béninoise, elle est tout autre. Je ne vois pas ma grand-mère laisser ananas, gingembre et citron de contrer parce que vous savez, chaque jour. Les gens développent des tisanes pour pouvoir. Voilà. De toute façon, on attend que le premier des Béninois puisse s'appliquer. Puisse prendre sa dose un peu comme au Ghana. Les autorités. Voilà. Pour donner le top. Pour donner le top à ceux qui veulent bien. Et voilà. Certainement également que le ministre de la Santé viendra au devant de la scène pour nous apporter beaucoup mais plus de précisions sur le masque. Les gestes barrières. Il faut multiplier cette sensibilisation-là. Les cas de décès enregistrés deviennent de plus en plus inquiétants. Inquiétants. On est à 115 décès déjà, alors qu'entre-temps, comme l'a rappelé Herman, nous avons la courbe s'était arrêtée à 40-41. Voilà. Donc ça pose merci. Un problème. Merci à vous. Mais il y a des gens à prendre en compte, c'est ce qu'Akimé a dit. Il y en a qui ont développé déjà des résistances au mal. Donc il faut les vacciner. Qui sont immunisés totalement. Voilà. Merci, cher monsieur. On va parler de la situation. On va parler du vote avec notre invité Dr Aimé Tchefa. Il est sociologue. Il nous dira comment participer à la vie démocratique en allant accomplir son devoir civique. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et en sérigraphie, une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Allez, ce matin, nous allons parler de la citoyenneté et du vote. Et en plateau, nous avons notre invité, Dr. Aimé Tchifa. Bonjour. Bonjour, Monsieur Adelida. Vous êtes sociologue, une analyse sociologique sur la citoyenneté et le droit de vote. Je vous reçois en compagnie de Wahab Alikbara. Alors, que devons-nous comprendre par citoyenneté, citoyen? Merci, Monsieur Adelida. Je voudrais commencer par dire que le citoyen est différent de l'habitant ou du résident. Le citoyen, il est porteur d'un projet national. Le citoyen, il est préoccupé par le développement de sa patrie. Et au fond, on n'est pas bon citoyen, on est citoyen tout court. Puisqu'également, le citoyen, c'est celui qui a été éduqué. À ce que c'est qu'une nation? Comment se comporter à l'intérieur pour que les maîtres mots de paix, de développement, de cohésion nationale, de concorde civile, de soumission et de respect aux autorités légalement établi et qui dispose donc de légitimité pour présider à la destinée du pays. Donc le citoyen, c'est celui qui est conscient de ses obligations, de ses devoirs, avant de parler de ses droits, le paiement de ses impôts, l'acquittement de toutes sortes de taxes, la défense de la patrie, l'inscription systématique de son enfant à l'école, l'assistance à personne en danger, le droit de vote qui doit être exercé de façon systématique une fois que le vote est organisé. Donc, bref, le citoyen ou la citoyenneté, c'est un ensemble de comportements qu'il faut avoir pour que la nation, la patrie, soit toujours havre de paix pour tout un chacun et pour tous. Alors, docteur, je pense qu'on a constaté de votre définition, de votre explication tout à l'heure, c'est bien beau ça. Alors, vous, en tant qu'observateur, quelle est votre appréciation de la citoyenneté au Bénin? Comment cela s'applique au Bénin, selon vous, aujourd'hui? Est-ce que ça cadre avec toute cette définition que vous venez de donner tout à l'heure? Au fond, je vais dire, être citoyen, ce n'est pas une destination, c'est une route. Il n'y a pas de pays où vous ne verrez pas des gens qui défient l'autorité de l'État, qui ne respectent pas entièrement les règles et les lois. Les êtres humains sont portés à ne pas toujours respecter la loi. Dans tous les pays du monde, il y a une police. Dans tous les pays du monde, il y a des maisons carcérales. Alors, ce n'est pas parce que c'est ainsi qu'ils ne sont pas citoyens. Et le degré de citoyenneté varie en fait en fonction du degré de conscience que vous avez par rapport à la chose publique, la res publica, par rapport à l'éducation que vous avez reçue à la maison et ensuite à l'école. Parce que n'oublions pas, dans le processus de formantage, pour être un bon citoyen, il y a les agents sociaux qui interviennent, c'est-à-dire la famille, le milieu religieux, le milieu professionnel, les masses médias qui interviennent. Et c'est pour ça que l'éducation à la citoyenneté est une tâche tellement importante que elle n'est pas exclusivement réservée à l'État, elle est réservée à tout le monde. Et chacun doit être conscient du fait
qu'il doit être absolument et forcément un bon citoyen. Alors, je ne crois pas que les Béninois soient plus citoyens que n'importe quelle autre nationalité au monde, ou qu'ils le soient moins, je ne crois pas. Le Béninois reste ce qu'il est, et en termes de représentation sociale de la citoyenneté, disons que le Béninois pense que c'est un ensemble d'inventions et de théories juste pour se soumettre à l'autorité. Mais en définitive, il arrive à restreindre le cadre comme quoi je ne peux pas faire autrement. Les autorités sont établies. Je finirai par faire ce qui a été retenu de commun accord. Alors, nous allons au vote le 11 avril prochain. On note très peu de familiarité ou d'engouement, n'est-ce pas, face au vote depuis quelques années. N'est-ce pas, quelle est, vous, votre appréciation? Qu'est-ce qui justifie cet état de choses pour qu'en 2019, par exemple, même si toutes ces élections ne se ressemblent pas, pour qu'en 2019, en 2020, pour les communales et législatives, on puisse noter très peu d'engouement des populations à aller voter? Bon, en 2020, nous allons parler un peu de la pandémie de COVID comme raison fondamentale. Et puis ça, ce n'était pas spécifique au Bénin. D'accord. 2019, vous connaissez le contexte. 2019, je ne voudrais plus revenir là-dessus. Ce qui est important, c'est que si on en arrive au niveau où les dirigeants politiques se trouvent à pleurnicher devant les citoyens pour aller voter, là, le vote n'a plus son sens. Ça ne vaut pas la peine. En principe, lorsque ça devait être systématique. En principe, lorsque tout se passe bien, il y a un fort engouement à aller voter. Toutefois, il n'y a pas de pays où le taux de participation est 100%. Parce que le jour du vote, quand il s'agit en fait de s'inscrire sur les listes électorales, donc pour appartenir au corps électoral, tout le monde le fait, pratiquement. Mais le jour du vote, peut-être vous êtes en voyage. Peut-être vous avez changé de domicile et vous ne pouvez plus revenir parce que vous êtes... Peut-être vous êtes fait enrôler au sud et que désormais vous travaillez au nord, vous ne pouvez plus revenir, tout ça. Et là encore, ça dépend de l'engouement que vous avez pour votre parti politique si vous êtes un militant. Donc, il y a beaucoup de raisons qui justifient le fait qu'on n'ait pas 100% comme taux de participation. Ça n'existe nulle part au monde. D'accord. Mais que les dirigeants, en soi, je le dis bien et je pèse mes mots, à pleurnicher ou à convier de façon spécifique les citoyens à aller voter, ça veut dire que le vote, au fond, n'a plus son sens. Et quand je dis dirigeants politiques, y compris ceux de l'opposition et de la mouvance, le vote, en principe, tous les peuples devraient être pressés d'aller aux urnes, soit pour valider un ticket, soit pour valider la mise en œuvre des politiques publiques dans lesquelles ils trouvent leur compte, soit pour sanctionner un ou des dirigeants, ou tout court pour changer de cap et de vision d'avenir. D'une manière ou d'une autre, le vote permet aux citoyens, je vais même dire, c'est le pouvoir du citoyen. Si nous sommes dans un régime démocratique, ce n'est qu'à travers les urnes que le citoyen s'exprime, se positionne, dit ce qu'il pense. Donc c'est un grand pouvoir. Et si nous arrivons aujourd'hui à le banaliser, cela prouve en fait que je voudrais convoquer deux variables à cet effet. Peut-être qu'il n'y a réellement pas eu de lutte pour que les citoyens béninois aient le droit de vote. Ou simplement, dans ce qui se fait, globalement, le citoyen béninois ne trouve pas son compte. Je ne crois pas qu'on en soit encore arrivé là où il y a une sorte de désaffection pour la chose publique, une sorte de désaffection pour la politique, au point où l'on refuse de voter. Et je ne voudrais pas aussi volontiers croire que le vote, en fait, depuis quelque temps, ne concerne que ceux qui trouvent leur compte dans le régime en place. Non, je ne crois pas. Parce que pendant les élections municipales et communales, en tant qu'observateur, j'ai sillonné quelques bureaux de vote à Cotonou, à Calavi, à Zé, et j'ai quand même observé de vieilles dames qui se sont alignées pratiquement pendant une heure pour pouvoir le faire, surtout en matinée. Donc je crois que pour tout calcul bien fait, il y a encore cet engouement qui est là. Maintenant, au regard des réformes politiques intervenues, notamment la réforme du système partisan, où l'opposition et la majorité présidentielle sont à couteau tiré sur un certain nombre, je vais dire, de déshydratats générés par cette réforme,
ça parle beaucoup, ça chuchote beaucoup. Et cela peut créer beaucoup de confusion dans la tête des citoyens qui, politiquement, n'étant pas encore mûrs. Cela ne veut pas dire forcément qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, mais le contexte actuel pourrait se présenter comme un contexte caractérisé par beaucoup de bruit et de brouillard, au point où le citoyen, peut-être, a du mal à se décider. C'est aussi une variable qu'il faut convoquer pour expliquer alors, ce phénomène. Alors, tout à l'heure, vous disiez que le droit de vote est un droit individuel. Inutile donc que les gens sortent collectivement pour inviter d'autres qui détiennent le droit individuel de voter, n'est-ce pas, à sortir voter. Il faut laisser chacun faire ce qu'il pense ou chacun faire de ce qu'il veut de son droit de vote, c'est ça? Non, c'est pas... Bon, là, vous dites plusieurs choses à la fois. C'est pas inutile parce que... Les organisations de la société civile, les partis politiques, ceux qui sont politiquement engagés, ceux qui politiquement ne sont pas engagés, les organisations de la société civile, mais qui ont intérêt à ce que le processus électoral aille à son terme et qu'il ne soit pas rouillé, je crois, sont dans leur fonction et dans leur obligation en tant qu'organisation, que ce soit politique ou non, d'inciter le citoyen à aller voter. Ça, ça n'a rien de mauvais. Maintenant, le vote étant individuel et personnel et non collectif, signifie simplement que vous allez dans l'isoloir tout seul pour aller exprimer votre choix. On n'entre jamais là à deux. C'est ce que ça signifie. D'accord, on ne va pas aller à trois. On ne va pas aller à trois ou à quatre. Maintenant, chacun en sa conscience vote. On fait le point après pour voir si collectivement et individuellement ce que nous avons exprimé, quand on fait le point, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent et finalement, les grands positionnements, c'est où? Bon, c'est ce qui se fait dans tous les pays démocratiques. Donc, je ne trouve pas que le travail de ces différentes formes d'organisation soit un travail inutile, je ne crois pas. Ça a toujours son importance. Admettons que l'environnement ne comportait aucun problème, d'ailleurs, ce qui est très rare, que tout va très bien, ce qui est aussi très rare partout au monde. Vous pensez que ces organisations n'auraient rien à faire? Elles auraient forcément quelque chose à faire, puisque de toutes les façons, elles s'organisent. Des organisations comme ONEP, comme Social Watch, qui s'impliquent dans le processus à travers l'observation, qui regardent, qui apprécient, qui produisent des rapports, rendent compte non seulement aux citoyens, parce que ce sont des groupes organisés, je vous l'ai dit, non seulement aux citoyens, mais également à la communauté internationale. Parce que quand vous parlez de processus électoral, c'est cette étape bien organisée et il faut prendre les mesures pour s'assurer que tout va bien et qu'à terme, le système pourra produire le résultat escompté. Alors, docteur Shepard, si on fait, n'est-ce pas, si on fait référence à votre, à vos premières prises de parole, la définition que vous donnez tout à l'heure de la citoyenneté, est-ce que le fait de boycotter les élections, le fait d'appeler des populations données d'une région donnée, n'est-ce pas, à sortir, se manifester, aller contre les pouvoirs publics, n'est-ce pas, sera le relève également de la citoyenneté? Bon, il y a deux expressions dans ce que vous avez dit qui m'intéressent. Manifester, ok. Et je crois que vous avez parlé du pouvoir public, vous avez parlé de quoi? Vous avez utilisé une expression. Oui, j'ai dit le fait de sortir et manifester contre les pouvoirs publics. Voilà, je prends manifester d'abord. Oui. En démocratie, manifester, c'est un droit. Il suffit de respecter le cadre légal et vous pouvez manifester. Si les journalistes ont un problème spécifique à leur corporation et voudraient l'exprimer dans les rues, ils en ont le droit. Mais il y a un cadre légal défini à cet effet et il faudra respecter ce cadre. Donc, en tant que citoyen, vous pouvez manifester. Et les mouvements sociaux organisés, comme le dit Alain Touraine, relèvent de la vitalité de la démocratie et de la vie d'un peuple. Mais aller contre les pouvoirs publics, c'est ça qui n'est pas plutôt ou du tout démocratique. Faire de la vandalisation, ce n'est pas de la démocratie, cela. Défier les autorités, j'ai dit, légalement et légitimement établies, ça, ce n'est plus de la démocratie. Le citoyen sait qu'il doit se soumettre, je pèse mes mots, aux autorités légalement et légitimement établies. Et soyons d'accord que
un acteur politique digne de ce que c'est qu'un État, et qui plus est, aspire à pouvoir le diriger, ne peut pas appeler à une insurrection populaire. Je convoque un exemple, un contre-exemple à cet effet. Si vous avez suivi, par exemple, le professeur Joël Aïvoire, depuis, dans ses tournées, c'est vrai, il est très acerbe en termes de critique sur ce qui se fait, mais il a ramené le débat à sa dimension purement technique. Et vous n'allez jamais l'entendre dire des choses pour égratigner l'État dans un mauvais sens. Parce qu'il est conscient, en tant que juriste et politologue, qu'il aspire à diriger cet État. Ben, il voudrait mieux, M. Ali Parra, si j'ai besoin de votre costume, il vaudrait mieux que je l'entretienne et que lorsque vous allez finir de vous en servir, je m'en serve aussi. Donc, cet acteur politique dont je vous parle, par exemple, a toujours dit, et moi je retiens, parce que je l'ai beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, où il dit, nous allons y aller sans violence et sans heurts. C'est digne de lui. Mais qu'on en appelle, même peut-être à boycotter un scrutin, je peux encore comprendre, hein, du point de vue politique ou communication politique, je peux encore comprendre. Mais qu'on en appelle à vandaliser. De l'insurrection populaire. À l'insurrection populaire, où on parle de guerre civile, où on interpelle les forces armées, je crois que cela ne répond à aucune norme démocratique. Et ceux qui font cela, ça finira par tomber sur la tête. Parce que quand vous ouvrez, je vais dire, ces confins dans un pays, à travers n'importe quelle action politique, et quand ça commence, ceux qui animent cela, c'est-à-dire les délinquants, les lacins, les djihadistes, ceux qui n'ont pas été suffisamment instruits et éduqués, ils ne connaissent ni opposants ni mouvanciers. Ils commencent à piller les boutiques. Peut-être vous êtes détenteur de boutiques, vous qui les aviez appelés. Ou instigateur. Entre-temps, ils ne commencent pas à enlever des gens. Ils ne connaissent ni opposants. Ils ne font pas la part des choses. Comment ils peuvent faire la part des choses? Puisque eux, ils sont là pour faire leurs affaires. Et leurs affaires, c'est piller tout. Leurs affaires, c'est prendre des gens en otage pour demander après de rançon. Donc, il vaudrait mieux ne pas ouvrir cela. Je crois que dans tous les cas, ce n'est pas une piste à insulter. Il est recommandé de discuter. Il est recommandé d'aller exprimer sa position dans les urnes. Le fait même simplement d'aller voter à travers une abstention, par exemple, j'y vais mais je prends personne, c'est une forme d'expression dont nous devons tenir compte en démocratie. Imaginez par exemple que ce vote-là fasse par exemple 60%. Vous pensez que ce n'est expressif de rien? Maintenant, je le dis toujours entre parenthèses, vous sortez de chez vous, vous vous alignez peut-être une heure, deux heures, vous entrez dans l'isoloir. Et parmi tous ceux qui sont candidats, personne ne vous plaît. Et vous-même, vous n'êtes pas candidat. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Et vous finissez finalement par ne plus cacheter rien, vous pliez et vous déposez. Est-ce que ça n'a pas l'air d'une perte de temps? Et si ce n'était que cela, en restant chez vous, est-ce que ça n'a pas plus de sens? Je ne fais que m'interroger. Je ne me positionne pas. Voilà. Nous n'avons plus assez de temps. assez de d'aspects à aborder. Mais on va faire revenir sur le plateau pour aborder un autre aspect du vote, puisque c'est la période. Merci de votre disponibilité, Dr. Aimé Tchifa. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sociologue et merci pour avoir conduit cet entretien. Non, j'ai une dernière préoccupation que je voudrais exprimer. Écoutez, la nationalité, celle qu'on a acquise par le sang, on ne s'amuse pas avec. Dans la mesure où, si vous avez eu l'occasion de voyager un peu partout, d'aller étudier, vous sentez réellement que ce n'est que chez vous que vous êtes en toute confiance et en toute sécurité. À très peu d'endroits au Bénin, surtout pour des gens comme vous, on ne vous demandera pas de carte d'identité ou de passeport, à moins que vous ayez l'envie de voyager. Quand vous allez même dans des ministères, on ne va pas demander... c'est le monsieur que voit à Canal 3, on vous connaît. Ici, mais déjà au Togo, on ne vous connaît pas. Et vous êtes obligé de bouger tout le temps avec vos papiers. C'est contraignant. Alors, c'est pour dire simplement que, logiquement, un être humain n'a pas plusieurs pays de cœur. Là où il est souché par le sang et le cordon ombilical, je crois qu'on ne s'amuse pas avec. Ceux qui parlent d'insurrection, ceux qui s'amusent à jouer au pyromane, ils n'auront rien à gagner. Quand on veut prendre le pouvoir,
on prend la peine. Je dis, faire l'opposition est plus difficile que faire la mouvance. Alors, quand on est opposant, on suit, on observe, on s'intéresse aux failles du régime. On prend son stylo, on note. C'est un engagement sérieux. On corse sa communication. Et surtout, on prend la peine d'élaborer des politiques publiques dignes de nom et, et un projet de société qui vaille la peine. Voilà. Animer l'opposition, prendre le pouvoir politique, ça n'a rien à voir avec faire du buzz. C'est une carrière politique se prépare. Et regardez Alpha Condé, le nombre d'années qu'il a fait. Souvenez-vous d'Abdoulaye Wade, souvenez-vous de Nelson Mandela ou bien de Laurent Gbagbo. Donc le pouvoir politique et sa prise, ça se prépare. Le militantisme, ça se prépare. Et quand ça se fait ainsi, à un moment donné, quand votre heure sonnera, c'est le peuple qui va vous appeler. Voilà, donc, je voudrais qu'on n'oublie pas cela. Je n'ai pas beaucoup à dire. Oui, oui, on va trouver la formule. Justement, c'est dans la période, il sera avec nous pour nous accompagner dans nos analyses. Merci beaucoup, docteur Aimé Tchefa. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci, bonne journée. On va ramener en plateau Clément Tchadé et son invité, Laurent Gangbès, directeur général de APS Bénin. On parlera donc de la zone économique spéciale de Glodjibé. Quelles sont les opportunités d'affaires dans cet espace économique? Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Allez, Clément Tchadé, vous êtes de retour en plateau économie. Nous sommes mercredi. Ce matin, nous irons à Glodjibé parler donc de la zone économique spéciale avec ses opportunités d'affaires. Oui, Christian, le projet de réalisation de la zone économique spéciale et qui avance à grands pas, eh bien, le bouclage des indemnisations est prévu même pour fin mars. Un projet d'envergure qui intéresse énormément les industries, mais aussi et d'autres entreprises et de nombreux investisseurs qui souhaitent déjà s'installer au Bénin. Le DG aura le temps de nous le confirmer. On apprend même que déjà les demandes foisonnent au niveau de l'agence de promotion des investissements et des exportations, des emplois en vue et de nouveaux marchés à conquérir par les entreprises béninoises qui veulent exporter après la production ou la transformation. Et pour en savoir, Laurent Gangbès est avec nous. Monsieur le directeur général, bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur le DG, d'entrée du jeu, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que le citoyen lambda peut comprendre par la zone économique spéciale. Alors, vous savez que en février 2020, le gouvernement a créé par décret la zone économique spéciale. Et donc, un an après, c'est-à-dire le 5 février 2021, le site de 1640 hectares a été remis officiellement au partenaire technique qui est le groupe RISE, que nous avons choisi pour nous accompagner dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation de cette zone. Alors, votre question, elle est précise. Que peut attendre le citoyen de la mise en place effective de cette zone économique spéciale ? Tout d'abord, de l'emploi. Et normalement, beaucoup d'emplois. Ces emplois sont des emplois dans le domaine agro-industriel. Mais pas seulement, parce que ces emplois dans le domaine de l'agro-industrie vont justement se baser également sur les emplois dans le domaine en fait des supports, c'est-à-dire des services, de l'administration. Et donc, pour nous, c'est la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, de transformer structurellement l'économie de notre pays. Vous savez que nous avons
nous avions une économie essentiellement basée en fait sur les échanges, import-export, achat-revente. Alors que l'essentiel serait la transformation pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Absolument. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les emplois qui étaient délocalisés dans les autres pays, notamment si je prends le cas du cajou, nous produisions en fait du cajou et nous exportions en fait la totalité en fait de notre cajou, presque la totalité. Vous savez que sur 50 000 tonnes de capacité installée ici dans notre pays, il n'y a que 10 000 tonnes qui sont réellement transformées sur place, sur une production d'à peu près 170 000 tonnes. Et donc, notre ambition, c'est de faire en sorte que, au lieu que ce soit les Vietnamiens et les Indiens qui, lorsque notre cajou brut est exporté vers eux, qui aient les emplois et qui aient la valeur créée, ça soit, au contraire, le Bénin, que nous puissions transformer, en fait, la presque totalité en fait de notre cajou de manière à internaliser les emplois. Monsieur le directeur général, on a appris, je l'ai annoncé dans mon introduction, que les investisseurs se bousculent déjà au niveau de la pièce, l'agence, je dirais, l'autorité administrative chargée donc de suivre ce projet ambitieux du gouvernement. Le site n'est pas encore totalement libéré par les populations et déjà autant de DG. Qu'est-ce qui explique cet engouement de la part des investisseurs? D'abord, cet engouement s'explique d'une part par le fait que les investisseurs au niveau international considèrent que ce que fait le gouvernement est sérieux. C'est-à-dire que l'amélioration du climat des affaires, le fait qu'au Bénin, il soit très facile en fait, de faire des affaires sans contrainte, le fait qu'il y ait la sécurité en fait, dans notre pays, le fait qu'un certain nombre de lois, de décrets aient été pris pour favoriser le business dans notre pays, a conduit un certain nombre d'investisseurs internationaux à considérer qu'on pouvait se servir du Bénin comme un relais de croissance en fait, des activités économiques qu'ils ont par ailleurs dans d'autres pays. Et de ce fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un engouement. La zone n'est pas encore complètement installée, comme vous l'avez dit. Les travaux ont débuté le 5 février dernier. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 60 entreprises qui ont déjà manifesté un intérêt certain pour s'installer dans la zone économique spéciale. Des investisseurs étrangers ou il y a des Béninois aussi dedans? Alors, la plupart, en fait, des 60 sont des investisseurs étrangers. Et donc, l'idée que nous poursuivons aujourd'hui, c'est de faire en sorte de vulgariser, en fait, cette idée de zone économique spéciale, de sensibiliser les Béninois qui sont déjà installés chez nous et qui ont des activités économiques, des activités industrielles, sur le fait que cette zone va se faire, cette zone va amener énormément d'opportunités pour toutes ces entreprises, énormément d'opportunités pour ceux qui ont déjà investi dans notre pays. Et donc, il serait intéressant pour eux de regarder cette zone de plus près et de voir comment ils pourraient également, eux, investir. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le marketing de la zone, de manière à ce que nos investisseurs béninois déjà installés chez nous puissent se dire peut-être qu'il y a une opportunité qu'il faut que je commence à saisir, que je me rapproche de la pièce pour voir dans quelle mesure mon activité pourrait s'intégrer dans la zone et créer des emplois. D'accord. Monsieur le DG, tout à l'heure, vous parliez de l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité économique aussi qui sont en vue pour la zone économique spéciale? Alors, vous savez, nous avons regardé ce qui se faisait en fait dans les autres zones économiques, notamment à Singapour, Hong Kong. Et bien évidemment, l'installation d'une zone économique spéciale, même si elle est dédiée de prime abord en fait à l'industrie de transformation agro-industrielle, entraîne d'autres activités. Vous savez que dans cette zone sera installé en fait des hôtels, il va être installé des restaurants, il va être installé également des centres de formation, parce que des investisseurs, compte tenu de ce qu'ils savent en fait du succès que peut rencontrer en fait cette zone, nous sollicitent aujourd'hui pour installer des centres de formation dans la zone, des centres de formation aux métiers industriels. Et donc pour nous, ça c'est un élément très important parce que ça rentre bien dans la politique de l'État de mieux former en fait les jeunes béninoises et béninois. Surtout de manière à ce que de la formation de qualité pour absolument, une transformation structurelle. Absolument. Donc vous voyez que cette zone entraîne derrière elle un certain nombre en fait d'activités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé dès le départ, mais qui, par l'expérience qu'ont ces entreprises,
vont nous permettre, en fait, je dirais, de répondre à un des objectifs du gouvernement qui est, je dirais, de transformer également la formation professionnelle et technique de manière à ce que les jeunes béninoises et béninois soient formés à des métiers qui leur permettent rapidement de trouver des emplois. D'accord. Monsieur le directeur général, c'est vrai, on a vu, il y a l'épineuse question du foncier. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec le processus d'indemnisation des personnes qui sont affectées, donc dont les terres sont affectées par cet ambitieux projet? Alors, jusqu'à présent, le processus se déroule très bien, grâce à l'ANDF, grâce à l'IGN, grâce au préfet et grâce également aux habitants, aux populations qui ont compris en fait l'intérêt qu'ils allaient recueillir en fait de l'installation de cette zone économique spéciale à Gloudjigbé. Vous savez qu'aujourd'hui, les travaux sont en cours et nous avons énormément de personnes qui viennent offrir leurs services, leurs prestations aux ouvriers qui travaillent sur la zone. Et donc, je pense qu'il y a une acceptabilité de la population de cette zone économique spéciale et nous n'avons pas rencontré aujourd'hui de difficultés majeures dans le processus d'indemnisation. Ce processus est en cours et il est fait, je dirais, dans le respect en fait des textes en vigueur et les personnes affectées par le projet n'ont pas manifesté une quelconque inquiétude quant au fait que leur terre, le foncier, leur soit, je dirais, retiré sans une indemnisation juste. Vous voulez dire par là que donc vous rassurez en fait que je dirais la zone économique spéciale de Gloudjigbé est foncièrement sécurisée? Oui, aujourd'hui il n'y a pas de difficulté. Les processus se poursuivent comme nous l'avions imaginé, sans aucune difficulté. Et donc nous faisons en sorte que nous libérions de manière progressive le foncier dans le respect en fait des cultures qui sont déjà implantées sur le terrain, dans le respect également des bâtiments qui sont implantés sur le terrain. Et ce n'est qu'après l'indemnisation et la signature en fait des propriétaires affectés par le projet que le processus, je dirais, d'installation et de construction puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté majeure en fait sur ce point. Alors, des opportunités d'affaires, vous avez déjà commencé par les énumérer, mais la question d'emploi aussi qui revient, est-ce qu'avec ce nouveau projet de la zone économique spéciale, quelles sont les prévisions que vous avez effectuées? On aura combien d'emplois à nouveau? Alors, nous avons, vous savez que sur ce projet, le chef de l'État travaille, avec les équipes, travaille dessus depuis au moins 2 ans. Lui-même, personnellement. Il s'est complètement investi en fait sur ce projet. C'est quelque chose qui est fondamental en fait pour le développement économique de notre pays. Vous savez que notre ambition, c'est de transformer notre économie. Pour transformer notre économie, le premier outil qu'on va mettre en place, c'est la zone économique spéciale. L'objectif, c'est de créer quand même plus de 350 000 emplois directs dans la zone, et sans compter tout ce qui va se faire dans la zone de Gloudjigbé. Il y a l'aéroport qui est à côté. Et vous savez que il faut loger des cadres, il faut loger des techniciens qui vont travailler dans la zone. Donc c'est le développement spectaculaire en fait de toute une commune qui est en jeu là. Commune et même développement spectaculaire de tout un pays, parce que les Béninois, nos frères et sœurs qui vont être embauchés en fait dans cette zone vont acquérir une compétence, une expertise qui n'auraient pas sans la mise en place en fait de cette zone économique spéciale. Donc il est très important pour nous qu'il y ait un succès majeur en fait de cette zone, parce que c'est cette zone qui va vraiment donner corps en fait à cette ambition de transformer structurellement l'économie du Bénin en mettant en place en fait de véritables zone industrielle. Et vous savez que l'État s'est engagé dans le cadre en fait du partenariat avec le groupe Rise à faire un certain nombre d'investissements dans 4 domaines. La route, on apporte la route en termes d'infrastructure, donc on va élargir la voie, donc on va faire la route qui va amener en fait à des zones économiques spéciales. Nous allons amener la fibre optique sur la zone économique spéciale. Nous allons amener en fait l'eau qui est déjà, des travaux ont déjà été réalisés par la SONEB et l'agence de l'eau. Donc on va amener l'eau et l'électricité. Donc tout cela devra se faire
dans une durée qui ne va pas excéder en fait le mois de septembre, de manière à ce que les entreprises puissent s'installer officiellement. Vous savez, aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons la pression des entreprises qui souhaitent s'installer en disant où est-ce que je peux m'installer, alors que la zone n'est même pas encore viabilisée. Donc, nous avons cette pression aujourd'hui qui fait que nous avons bon espoir que ça soit un succès et que beaucoup de nos frères et sœurs puissent trouver un emploi dans cette zone. Avec autant d'engouement, monsieur le DG, est-ce qu'il n'est pas aussi opportun de penser à une nouvelle zone économique spéciale? Parce que quand on dit l'agriculture, on se dit, mais quand on va à l'intérieur du pays, qu'il y a bel et bien aussi d'autres zones qui pourraient être dédiées à la zone comme étant des zones économiques spéciales. Vous avez raison. Le gouvernement y pense. Vous avez raison, le gouvernement y pense, mais je pense qu'il faut faire les choses étape par étape. Il faut que nous puissions réussir cette zone, de manière à ce que ce succès nous permette en fait d'avoir de l'expérience pour pouvoir projeter en fait ce qui a bien marché dans cette zone, ce qui a moins bien marché sur d'autres territoires. Mais notre priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette zone soit réussie. Alors, une dernière question, Christian, est-ce que vous le permettez? Vous étiez aussi face aux chefs d'entreprise pour leur parler, semaine écoulée, de nouveaux marchés en ce qui concerne les réformes que vous avez engagées. En quelques mots, à quoi retourne cette sensibilisation, je dirais cette restitution? Oui, l'idée, c'est de dire, informer, communiquer auprès des chefs d'entreprise de ce qui va se passer. Parce que bien souvent, on nous reproche de ne pas dire ce qu'on est en train de faire. Et là, l'idée, c'est de leur dire, voilà ce qui va se passer. Regardez par rapport à votre activité aujourd'hui, comment vous pourrez envisager également une coopération avec des entreprises qui vont s'installer, comment vous pouvez imaginer également une installation dans la zone économique spéciale. Donc, nous devons informer l'ensemble du secteur privé de ce que le gouvernement est en train de mettre en place, notamment au niveau du code des investissements, notamment au niveau de la zone économique spéciale. Il n'y a pas les mêmes aides, le même accompagnement de l'État. Donc, nous devons les informer de manière à ce qu'ils soient complètement avertis de ce qui est en train de se faire, de manière à ce qu'ils puissent faire leurs anticipations économiques pour assurer en fait le développement de leur activité. Monsieur Laurent Gangbès, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. On parlait à l'instant avec vous de la zone économique spéciale de Glodjigbé et surtout des opportunités d'affaires qui sortent dans cette nouvelle zone. Merci à vous, Clément Tchadé. Merci. Économie. Merci bien. Merci. Merci. Et merci à vous, Laurent Gangbès. Très bonne journée à vous. Merci. L'esport dans un instant avec Akimi Sédou, Séni, juste après votre vue de presse. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. Voilà, une année sportive hein, également, 2021. Nous allons parler de la CAN et des préparatifs avec vous, Akimé Sédou Séni. Étape à étape, le Bénin c'est... surtout, les écureuils. Oui, les écureuils se préparent. C'est vrai que c'est toujours attendu. Je dirais quoi, la liste des présélectionnés, ensuite la liste de ceux-là qui vont être donc retenus pour la confrontation avec le Nigeria, ce sera le 27 mars. Merci. Et puis 72 heures plus tard, ce sera donc du côté, ce sera le 30 mars, on sera du côté donc de Freetown pour jouer à la Sierra Leone. Donc du coup, vous comprenez que c'est le branle-bas au niveau des états-majors. Michel Dussuyer a fait le tour des différents stades au plan national pour suivre, je dirais, les rencontres qui ont été disputées dans le cadre de la Ligue Pro avec son calepin. Il est depuis plusieurs jours du côté donc, du Vieux Continent pour certainement
prendre langue avec certains de nos joueurs. C'est vrai que nous avons une idée de la forme des écureuils qui évoluent à l'extérieur. Et le temps de son absence, eh bien, c'est son adjoint, Moussa Latundji, qui poursuit la tournée au niveau des différents stades. Ça leur permettra d'affiner, je dirais, les différentes prestations de nos différents joueurs pour, à l'arrivée, nous proposer ceux-là qui seront appelés à être dans la pré-liste et enfin la liste définitive pour le compte de cette confrontation capitale pour le Bénin, puisqu'on jouera le Nigeria le 27 mars prochain. Ce sera au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau, puisque ce n'est pas encore officiellement remis, le stade renouvelé de l'amitié de Kourounou. Pour l'instant, on peut s'enorgueillir de savoir que certains des nôtres qui sont à l'extérieur font feu de tout bois pour maintenir la forme. Quoique hier, Jodel Dossou a contacté un bobo, remplacé un peu plus tôt lors de sa confrontation. Entre-temps, déjà buteur, on veut espérer qu'il y ait plus de peur que de mal. Mais en attendant, le Cameroun qui habitera cette compétition, c'est bien pour 2022, même si la CAN reste la CAN 2021, Christian a déjà rendu publique la liste des présélectionnés. C'est près de 37 joueurs qui ont été appelés par le sélectionneur Tony Conceição. Les 37 vont entrer en mise au vert, travailler jusqu'à ce qu'une liste définitive soit retenue pour les rencontres du Cameroun. Le Cameroun qui est déjà qualifié en tant que pays organisateur, mais qui se sert donc de cette compétition pour, je dirais, des répétitions de grande nature, histoire de sérénement à bord de la compétition d'ici quelques mois. Donc, comme vous le voyez sur les images, 37 joueurs ont été appelés. Nous avons 5 gardiens de but. Les absences, c'est bien entendu André Onana, oui, qu'on présente puis avec sa situation avec son club, bien évidemment. Et Ambroise Onyango aussi est absent, mais les autres, pour la plupart, ont été rappelés par le sélectionneur Tony Conceição. À l'arrivée, le travail se poursuivre du côté de la sélection camerounaise. De toutes les façons, nous ici, on attend encore la liste des présélectionnés, même si entre-temps, dans les réseaux sociaux, ça se murmure, ça se circule, un certain nombre de listes, bien entendu, en vue de cette rencontre du 27 mars prochain. De toutes les façons, le sélectionneur Michel Dussuyer essaie comment s'y prendre. On va espérer que d'ici très peu, qu'il soit de retour et qu'il nous propose, Christian, la liste présélectionnés et qu'on ait une idée de ceux-là qui auront donc la lourde responsabilité de défendre les couleurs nationales à l'occasion de la rencontre face au Nigeria le 27 mars de l'année 2021. Football. Mais cette fois-ci, on va parler de certaines figures emblématiques qui sont en train de prendre leur retraite. C'est le cas, Christian, d'un certain Petroipa, Jonathan, qu'on ne présente plus. 34 ans, c'est bien l'âge de ce Burkinabé, le footballeur international burkinabé. Jonathan Petroipa vient d'annoncer sa retraite internationale. C'est à travers une publication faite sur sa page Instagram en fin de semaine écoulée qu'il remercie ses fans pour leur soutien. Après Aristide Bansé, il y a quelques mois, Petroipa, exactement, la deuxième figure emblématique du Burkina Faso qui raccroche. Cette nouvelle intervient un mois seulement après qu'il a rompu son contrat avec Paris FC, Ligue 2 française. Jonathan Petroipa, qui avait déjà pris sa retraite internationale en décembre 2019, s'en va désormais avec 76 apparitions en sélection avec les étalons pour 19 buts de marqué. Au total de ses récompenses, j'allais dire au nombre de ses récompenses individuelles, on retiendra Christian qui l'a terminé meilleur joueur de la CAN. C'était en 2013 et aujourd'hui, il fait partie de ces joueurs qui ont marqué l'histoire du football du côté du Burkina Faso. Retraite pour Jonathan Petroipa, retraite ou encore, mais du côté du basketball, Christian. Fin de carrière du basketteur français Joachim Noah. C'est vrai qu'on dit français, mais c'est un garçon qui a finalement 4 nationalités. Il est de mère suédoise, il est né aux États-Unis, donc il a la nationalité américaine. Son père camerounais est donc camerounais entre-temps. Et nationalité française acquise dans la foulée. Donc, Christian, voilà un garçon qui a 4 origines. L'annonce de la fin de sa carrière a été faite. C'était le 1er mars sur Twitter par l'agent du sportif nominé 2 fois All-Star et désigné meilleur défenseur de la saison 2013-2014. Cette annonce est désormais officielle et confirmée. C'est donc après 13 années de carrière dans la NBA que le Français décide de prendre sa retraite. Fils de l'ancien tennisman français Yannick Noah, qu'on ne présente plus, Christian. Joachim a eu un parcours impressionnant après son aventure avec les Bulls. Il s'engage avec les New York Knicks de 2016 à 2018 avant de poursuivre sa route à Memphis où il a passé un an de 2018 à 2019. Après une blessure au tendon d'Achille, les Clippers le recrutent en mars 2020. Mais malheureusement,
La pandémie du coronavirus repousse son retour avec un contrat sans garantie. Il n'a finalement pas été conservé par la franchise californienne. On retiendra que la fin de sa carrière sonne aussi comme la fin d'une histoire incroyable qui n'est peut-être pas tout à fait finie. D'autant d'ailleurs que les news les plus chaudes, Christian, annoncent que les Bulls pourraient offrir un dernier contrat honorifique à leur ancien pivot, histoire de terminer sa carrière atypique là où avait commencé, c'était en 2007. Et puis, Christian, c'est également, je dirais, tellement génial hein, que certains fifous murmurent même l'idée du retrait de son maillot du côté donc, de Chicago. Voilà un peu ce qu'on retient en termes d'actualité au niveau donc, de Yannick Noah. C'est un international basketteur français, je rappelle, plusieurs origines de Mercieudoise, né aux États-Unis, de père camerounais, français par la suite. Donc, du coup, c'est lui qui fait l'actualité ces dernières heures du côté donc, des États-Unis. Merci beaucoup. Merci. C'était l'Esport avec vous, Hakimé Ousseli. Très bonne journée du mercredi. Mesdames et messieurs, le point de l'actualité, les journaux lus par Séraphin Assiobon. C'est parti pour environ 7 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plusieurs parutions parlent ce matin de la nouvelle condamnation de l'homme d'affaires et politicien béninois Sébastien Ajavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À ce sujet, le matinal parle de faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie pour informer que Ajavon et l'ambassadeur Lalaye sont rattrapés par un crime économique. Le potentiel parle de 5 ans et de 2 ans de prison ferme, respectivement, à Ajavon et Lalaye. Pour le Télégramme, reconnu coupable d'usage de fausses attestations escroquerie dans une affaire de faux et usage de faux en écriture publique, complicité et escroquerie, l'ancien allié politique de Patrice Talon est de nouveau visé par un nouveau mandat d'arrêt émis par la juridiction spéciale. Bénin Intelligent ajoute que la criette a infligé à l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 5 ans d'emprisonnement ferme et 2 400 000 francs CFA d'amende pour usage de fausses attestations et escroquerie. Par ailleurs, la Cour l'a condamné à payer plus de 80 milliards de francs CFA à l'État béninois à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par l'administration fiscale et 60 milliards pour les autres préjudices non fiscaux. Le Soleil Bénin info décrire que le mania de la volaille au Bénin n'est pas au bout de ses peines avec la justice. Sous la rupture, le journal de noter que visiblement, la rupture est dans la dynamique de tout tirer au clair et de démontrer à la face du monde la face cachée de Sébastien Ajavon. Mais à l'analyse, écrit le Nouvel Observateur, le dossier pour lequel il est condamné est un vieux dossier vidé en 2013 au profit de la société Comonessa et au tort de l'État béninois qui devait alors payer à la société une somme de 13 milliards de francs CFA. Les négociations qui ont suivi entre les deux parties aboutissent à un protocole d'accord signé le 31 décembre 2014 et selon lequel l'État béninois reconnaît devoir à la société Comonessa la somme de 123 milliards de francs CFA. La Nation renseigne que l'ancien ambassadeur du Bénin près le Nigeria séjourne désormais à la prison civile d'Akpromiserété. Le journal précise que les deux condamnés ont chacun 15 jours pour faire appel s'ils ne sont pas satisfaits du jugement de cette affaire qui remonte à 2013 sous le régime précédent. Le gros titre de Fraternité est consacré à la présidentielle du 11 avril 2021. Et le journal a de faire remarquer que plus que quelques jours et officiellement, les Béninois se feront une idée des potentialités des trois duos en course pour la Marina. Du moins à partir du 26 mars prochain, les hostilités seront lancées par la Sénat afin que les différents candidats en lice dévoilent leurs ambitions pour la gouvernance de leur pays au cours des 5 prochaines années. Mais déjà, dans les états-majors des trois duos, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands afin de prendre dans les urnes le dessus sur les adversaires. Ainsi, depuis la semaine dernière, on en sait largement sur les pilotes de la machine électorale appelés à aider le duo Talon-Talata à gagner la course de la présidentielle du 11 avril prochain.
Au-devant d'une équipe de 22 personnalités politiques, le ministre du Plan Abdoulaye Biochane puis l'homme de confiance Olivier Bocco sont chargés de jouer les premiers rôles en vue d'une coordination optimale. Parlant d'Olivier Bocco de l'équipe de campagne, l'autre vision s'attarde sur les relations entre le chef de l'État, Patrice Talon, et lui pour écrire que ce sont deux personnes dont les destins ne se sont pas croisés au hasard ni au détour d'un chemin. C'est Dieu qui est même le socle de cette amitié. Il s'agit du président Talon et Olivier Bocco. L'un ne va sans l'autre et l'autre ne va sans l'autre. Les idées de l'un et l'autre se rejoignent comme dans la relation de la Sainte Trinité où le Père n'agit pas sans le Fils et ni celle de l'Esprit. Le même journal souligne qu'on en sait un peu plus sur l'équipe de campagne du duo Force Cori pour un Bénin émergent à la présidentielle du 11 avril 2021. Alassane Djemba et Paul Rumpé, selon l'organigramme, c'est une équipe choc de 11 membres qui composent ce duo sous Manu Rumpé du parti FCBE, un duo qui, à en croire le journal Le Routier, promet la restauration de la démocratie et la solution pour donner de la joie une fois élu. Bénin Intelligence s'intéresse au parti Les Démocrates et écrit que le parti crie à l'exclusion dans le cadre de la présidentielle de 2021. C'est énorme. Dénonce des lois antidémocratiques taillées sur mesure pour disqualifier de potentiels concurrents. Pourtant, certains de ses membres, hier députés, ont participé activement à l'adoption des règles dont le parrainage est subitement diabolisé aujourd'hui par les mêmes. Retour dans le temps pour se rendre à l'évidence qu'en réalité, ils n'ont pas été exclus, mais ont boycotté librement le scrutin. Heureusement que la présence de deux de leurs membres suspendus les maintient dans la course. L'autre quotidien fait la remarque qu'il semble que ces rejets de candidatures rejetées aient suscité des frustrations mal vécues qui se traduisent dans certains états-majors par des propos jugés durs qui suscitent des réactions de même nature dans le camp adverse. Tout ceci crée une atmosphère délétère qui rappelle, toute proportion gardée, celle qui a prévalu à la veille des élections législatives de 2019, le journal de relevé que les vives invectives accroissent la tension et menacent la paix. Et puis, dans le domaine de la santé, Fraternité rapporte que 5 nouveaux décès sont provoqués par le coronavirus. C'est le dernier bilan donné par les sources sanitaires béninoises dans la période du 19 février au 1er mars 2021. Avec ces nouveaux chiffres, le Bénin est passé à 115 décès, 6111 cas confirmés à la date du 19 février 2021. Le tableau sanitaire indiquait 1116 cas actifs pour un total de 5434 cas total et 70 décès. À l'analyse, il faut redouter que le risque de contamination est doublement, voire triplement élevé à cause du non-respect des gestes barrières. Dans les colonnes du même journal, on lit que l'hôpital Missé-Saint-Dakwakwa, dans le 4e arrondissement de Cotonou, a connu un cas de vol de bébé mardi. Une dame qui s'est fait passer pour la belle-mère de la nourrice a trompé la vigilance du corps médical. La maman faisait sa toilette quand le vol a eu lieu. La présumée voleuse a mis l'enfant au dos, guettant un moment d'inattention des femmes en blouse présentes. Selon les témoignages recueillis sur le mode opératoire, il s'agirait d'un vol planifié. Une enquête a été ouverte par la police républicaine qui s'est dépêché sur les lieux. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Allez, de retour en plateau pour vous dire merci de votre attention chez vous. C'était votre matinale Actu Matin. Merci donc de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 7h pour d'autres informations à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien et gardez le sourire. Au revoir.